Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. On espère que vous êtes nombreux. On était en train d'écouter nous aussi le générique, parce que d'habitude on n'a pas le son. C'était Avant que sympa. Marie nous dise c'est pas normal, vous ne devriez pas avoir le son. Bonsoir Christine. On Bonsoir. disait qu'on ne se quittait plus en ce moment, mais c'est pour notre plus grand bonheur. Je crois que Ouais. du coup tu as fait du modélisme toute ta journée hier. C'est ça, mais tout va bien. On est prêt. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est de travailler donc à partir d'un patron de jupe de base que vous avez, soit parce que vous l'avez fait avec le cours de Dominique Pélène, soit parce que vous l'aviez avant, soit parce que vous l'avez téléchargé. Enfin, bref, il faut avoir votre base. Si vous ne l'avez pas, bah, vous pouvez suivre ce cours et on le laissera en replay et puis y revenir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un dessin pour lequel vous avez voté. Et donc, vous allez voir le regagnant. Vous avez voté sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est cette jupe à plis resserrés. Alors, je sais Ah, que c'était le les... numéro 1, je crois. c'était le numéro 1. Tu vas en parler en Ouais, je détail, vais mais expliquer. je sais que en anglais, on dit que c'est paperback. Je ne sais pas si ça a un nom en français, mais. J'ai pas trouvé d'équivalent. Alors, comme d'habitude, on prendra régulièrement vos questions, toutes les une ou deux étapes selon les tailles d'étapes. On verra un extrait du cours. Et l'idée, bah, c'est que vous puissiez avoir votre jupe patronnée à vos mesures à la fin de ce cours. Enfin, c'est pas grave, hein, si vous n'avez pas terminé, encore une fois, vous pourrez revoir. Christine a un bon rythme parce qu'on ne va pas y passer toute la nuit non plus, ou alors on va vous Marie n'a perdre. pas envie de se coucher à 3 h du matin. Et on sait que pour Marie, c'est un des trucs les plus sportifs à filmer, le modélisme. Donc voilà, mais en tout cas, on est là pour vous aiguiller avec cette jupe. Christine, est-ce que tu es prête? Comme je te Bon, disais, dans oui, la mesure du dans la mesure du possible. possible. C'est vrai que c'est toujours un exercice un peu différent pour nous quand on est en direct, mais voilà, je pense que ça. On va essayer de faire en sorte. En tout cas, l'avantage, c'est qu'on a vos retours, et donc surtout si à un moment ça va trop vite, vous hurlez sur les réseaux sociaux et vous nous C'est dites ça. Ah, là, je suis perdue. Et on essaiera de reprendre l'étape qui pose problème. Marie est en régie et Armelle est aux questions. Donc, on reçoit toutes vos questions. Tout va Voilà. bien. Eh Il y avait eu bien. une question juste, alors je ne sais plus si c'est sur votre story ou la mienne, quelqu'un de très très angoissé parce que sa jupe de base avec une seule pince devant et Oui, une seule pince dos au oui. lieu des deux, donc pas de panique. Tout va bien, même si le patron que vous avez n'est pas tout à fait ressemblant avec celui que j'ai là, s'il n'y a qu'une seule pince au lieu de deux, on va traiter le problème juste après, donc Bon, pas bah, parfait. d'inquiétude. Avant ça, on va peut-être parler du modèle lui-même, parce Oui. que... Bah, je ne sais pas si vous aviez participé à la masterclass qui doit être encore en ligne, Oui, qu'on avait fait oui. lors du premier confinement, Qui qui vous était avait de beaucoup plu, créer ouais. un petit top avec de la dentelle. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'idée, c'est de décortiquer déjà le dessin de mode qui nous est proposé, par Ouais. Marie-Gabrielle en l'occurrence, et d'apprendre à décrypter un petit peu comment on passe de ce dessin à la transformation du patron. C'est-à-dire le travail que fait usuellement le modéliste, justement, en lien, quand ce n'est pas la même personne que le styliste, puisque quelquefois, c'est une seule et unique personne, donc ça simplifie ce travail-là. Et là, en l'occurrence, et qui nécessite quelquefois des allers-retours, ce que nous avons fait en plus avec Marie-Gabrielle ce matin, Oui, jusqu'à la dernière minute, ça pour c'est les... réajuster un tout petit peu et être bien d'accord sur ce qu'on allait faire, notamment le dos de la jupe que vous n'aviez pas, et donc sur laquelle on s'est mis d'accord. Alors, c'est parti, on va profiter de notre bel écran pour analyser cette photo, enfin cette photo, ce dessin. Alors, quand on regarde cette jupe, c'est toujours important de commencer déjà à regarder le look d'ensemble hein, de la jupe. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà essayer de me En projeter tout de couture, le suite mot. sur la fluidité du tissu. Ouais. Me dire, au juste, c'est dans quoi que je ferais ce genre de jupe. Alors, là, moi, quand je lis ce genre de dessin, surtout quand on regarde le flou du bas, hein, voilà, cette fluidité. On sent qu'on est quand même sur une matière qui marque pas trop les plis. Il y a des plis, on est bien d'accord, ça saute aux yeux puisqu'on les voit à la taille, mais voilà, en bas, ça reste très très fluide. Et donc c'est vrai, quand on a discuté avec Marie-Gabrielle, on était sur une idée que ça serait fait dans de la viscose, dans de la Oui, un soie, crêpe. voilà, quelque chose, voilà, éventuellement un crêpe, mais quelque chose qui est assez fluide, avec la difficulté dans les tissus fins, qu'il va falloir quand même que sur la partie haute, on ait ce joli plissé qui tienne. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser des matières de type thermocollant assez, voilà, suffisamment structurant pour donner la forme qui est là-haut.
Donc, une jupe globalement assez floue, dont on sent qu'elle est quand même légèrement évasée. Évasée un peu plus que ce que n'apporterait naturellement les plis par le côté un petit peu élargi du bas, mais très légèrement. Voilà, c'est pas la jupe parapluie, hein, c'est pas la jupe Marilyn. On est vraiment sur quelque chose d'assez évasé. Donc il faudra qu'on s'occupe à la fois de la longueur de la jupe, bien évidemment, puisqu'elle est plus longue qu'une jupe de base qui, je vous rappelle, est normalement tracée au genou, ou en tout cas à une hauteur assez proche du genou. Ça dépend un peu des méthodes, donc là, franchement, ça sera à vous d'ajuster ça. Et donc cette longueur et cette évasée. Alors évidemment, ce qui fait vraiment la particularité de la jupe, c'est la partie, ce qui se passe au niveau de la taille avec ce plissé dit paper bag. Alors effectivement, il faudra quand même qu'on cherche s'il n'y a pas un terme français. Un terme français, on va demander, oui. Carmen, si tu nous regardes, oui, essaye de nous trouver. Carmen, je suis dans ton camp. Voilà, essaye de nous trouver le terme français, s'il te plaît, et tu nous le postes. Ça serait sympa. C'est vrai qu'on aurait pu s'en soucier avant. On était dans la préparation du cours. On voit cette jolie ceinture qu'on sent quand même très structurante pour la jupe, puisque c'est elle qui finalement tient les plis. Donc devant, on voit finalement deux plis à droite, deux plis à gauche, donc une symétrie bien évidemment. Ce qui est important dans ce genre de modèle, c'est de savoir si on est en symétrie ou pas, parce que si vous êtes en symétrie, bah, ça veut dire que le patron, vous allez pouvoir vous occuper que de la moitié du patron. Et là, on voit bien qu'à droite et à gauche, c'est pareil. Donc, on va pouvoir rester sur des demi-patrons. Ouf ! Parce que quand il faut travailler sur les patrons complets, déjà, ça ne tient pas sur la table. Et alors là, la réalisatrice, elle hurle en disant « Ouais, j'arrive pas à le prendre dans le champ de la caméra !» C'est terrible. Donc, des plis, on va voir comment on rajoute ces plis-là. On voit surtout que finalement, par rapport à la taille du modèle, qui est, je vous rappelle, juste sous la ceinture ici, lorsqu'on prend la mesure de taille, ben c'est une jupe qui est finalement taille haute et taille haute, avec une ceinture assez haute, plus cet effet paperback qui dépasse encore. Donc on est quand même sur une certaine hauteur. On rediscutera tout à l'heure de ces valeurs et ces mesures, comment on estime ces valeurs. Donc dans le devant, un évasé forcément un peu plus large du fait que les plis se terminent dans la jupe. Si on va dans le dos, ça a été l'objet de nos discussions avec Marie-Gabrielle, parce que en fait, moi j'aime bien toujours penser au modèle. Alors c'est bien de le dessiner, c'est bien de le tracer en patron, mais c'est aussi bien d'imaginer le vêtement porté, parce que nous quand même, à un moment, on va essayer de vous faire en sorte que vous puissiez coudre ce truc à la fin et que vous ayez en plus à la fin plaisir à le porter. Je sais pas toi, Anne-Sara, mais moi les jupes à plis dans le dos, quand je m'assieds et qu'au bout d'à peine 2 heures, les plis ne ressemblent plus à rien parce que je me suis assise sur les plis, ça m'insupporte. Voilà. Moi, je les mets plus. Exactement. En fait, on les met une fois, on s'est vu de dos dans une glace dans l'ascenseur et on fait « au secours, je ne la porterai plus jamais ». Donc, on a fait le choix d'avoir un dos où finalement, il n'y a pas les plis. Il y a juste les plis au niveau de la taille et on va voir qu'en fait, comment on les génère au niveau de la taille. Juste par un effet de pince. Et donc, du coup, en fait, ici, on va voir qu'en fait, les plis qui sont là sont simplement liés aux pinces du dos de la jupe. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il faudra qu'on discute évidemment sur le devant de la position des boutons de la ceinture, puisque la ceinture ne va pas jusqu'au milieu. Ce qu'on peut enfin finir par se dire, c'est finalement comment on rentre dans cette jupe. Parce que ce n'est pas le tout de faire un patron, mais à un moment, il faut rentrer dans le vêtement. Il faut passer dedans, sinon voilà. Ce n'est pas très pratique. C'est toujours comme ce que je raconte, même pour les bus, le nombre de fois où je vois des personnes qui me tracent des superbes encolures, sauf qu'en fait, la tête ne passe pas. Et là, on fait « Ah !» Est-ce qu'on a pensé à l'ouverture? C'est ça. Et donc, l'ouverture, bah, tout simplement, on s'est dit avec Marie-Gabrielle, le plus simple, c'était de se mettre un petit zip dans le dos. De préférence invisible, enfin là après c'est à vous de voir par rapport aux techniques que vous maîtrisez. Après, bah, à vous de voir si vous voulez la couture milieu dos ou si vous l'insérez par un système de fente dans le dos comme c'est présenté là. Du coup ça veut dire que la partie ceinture devant en fait ne se défait pas, elle est définitivement cousu et les boutons sont décoratifs. Il y aurait une autre technique qui serait de créer des boutonnières ici, mais enfin quand on en a discuté, c'était une technique très très compliquée pour aligner 3 niveaux de boutonnières les unes derrière les autres. On va essayer de vous épargner ça. Voilà. De chouettes discussions de bon matin avec Marie-Gabrielle. Oui, parce que bah, techniquement, c'est quand même une jupe voilà, qui présente potentiellement des difficultés techniques de patronage, on va le voir là, de montage, et on essayait quand même de trouver un équilibre pour que ce soit un modèle que vous ayez plaisir à réaliser sans que ce soit tout de suite voilà, trop compliqué. Donc on parlera un tout petit peu à la fin des quelques éléments techniques de réalisation. Et puis voilà, puis si d'aventure vous voulez la réaliser et qu'on a un petit peu d'autres masterclass, sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve. On fera peut-être une masterclass couture pour l'assemblage de tout ça. C'est vrai que l'avenir ne semble pas rose en termes de déconfinement.
Ouais. Nous verrons bien et puis on verra si c'est un sujet qui vous intéresse. Oui, dites-nous en commentaire. Ou qu'on traitera autre chose, on sera plaisir avec autre chose, sinon c'est pas très grave. Voilà, est-ce que déjà à ce stade, j'ai été trop vite peut-être, tout va bien. Non, j'ai l'impression que tout va bien. C'est ce que vous me voyez passer de Facebook à YouTube, etc. C'est parce que je regarde vos commentaires, c'est pas que je suis en train de me faire des vidéos Facebook. Donc, tout va bien. Et tout va bien. Mais en proposition. Pour le nom, les gens disent la jupe sac en papier. Pourquoi sac pas en papier. Effectivement, c'est la traduction littérale. Moi, vous m'excuserez, mais la jupe sac, en général, quand on parle d'un sac en termes de vêtements, c'est que ça pas très saillant. Mais effectivement, oui, c'était la traduction littérale serait ça. On trouvera une appellation à ces noms-là. Et puis on lui trouvera un petit nom à cette jupe. Oui, un petit nom. Proposez-nous des petits noms. C'est ça. Moi, je suis très vieux prénom. Oui, je ne sais pas pour celles pour le lycée AP, vous avez pu voir. Donc, si vous avez un joli vieux prénom que je ne connais pas, n'hésitez pas. Je suis très, très fan de tous ces vieux prénoms qu'on ressort à l'occasion. Bon, c'est parti. On va commencer à aller faire les transformations de notre jupe par rapport à ça. Alors, Marie va hurler, mais je vais me remettre debout, en fait. Pardon. Il y a une première chose qu'il faut analyser. Excuse-moi, Marie, j'avais promis que je m'asseyais et que je ne bougeais plus. Mais voilà. Elle est intenable. Non, mais promis, après, je me rassois. Si on revient sur le devant de la jupe, c'est important de se demander où se positionnent les plis du devant par rapport au tour global de la jupe, parce qu'on va voir qu'en fait, les plis doivent se mettre à l'aplomb des pinces pour porter les pinces, pour avoir les pinces inclus dans les plis, et que les pinces de base de votre jupe ne sont pas au bon endroit. Donc déjà, il va falloir les déplacer. Alors, si on regarde bien, en fait, il faut avoir un peu l'habitude de décrypter les dessins. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, par rapport à votre patron, ce que vous voyez du milieu devant jusqu'au côté, lorsqu'on dessine en 3D dans une vue de style comme ça, en fait, là, c'est un peu comme si vous arriviez à peu près à l'aplomb de la deuxième pince au bord. C'est-à-dire que tout ce qui est entre la deuxième pince et la couture de côté est caché, en fait, dans l'angle de vue de latéral, voilà, dans la partie latérale. Et donc, en fait, là, si vous voulez, entre là et là où j'ai la deuxième pince, finalement, mes deux plis, ils sont équidistants. C'est-à-dire que j'ai une certaine valeur jusqu'au premier pli, la même valeur jusqu'au deuxième pli, et encore la même valeur jusqu'à la deuxième pince. Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, je vais y revenir, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et puis, par contre, dans le dos, on a quelque chose qui est à peu près à la hauteur de la pince classique. Et là, je dirais que c'est moins gênant par rapport à l'effet. Alors, si je traduis ce que je viens de raconter, je vais reprendre mon petit schéma dessiné parce que j'ai mon anti-sèche quand même. Donc, en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'entre... Alors, Marie-Gabrielle va hurler parce que je vais crayonner son dessin, mais c'est pas grave. Parce qu'elle te pardonnera. Elle me pardonnera. Par rapport au milieu devant qui est là, donc entre là et le bord ici, finalement, on est entre le milieu devant et la deuxième pince. Donc, entre le milieu devant et la deuxième pince ici. D'accord ? Et donc, en fait, de là à là, c'est là que vont se mettre les plis. Et donc, j'ai deux plis à mettre. Ça veut dire que je vais en mettre un là et un là. Donc, en fait, de là à là, vous allez tracer une ligne, déjà, et mettre un tiers, un tiers, un tiers. Alors, si vous n'avez qu'une seule pince, parce que c'est possible que vous n'ayez qu'une seule pince, vous allez quand même vous tracer la ligne qui passe par la pointe des pinces, qui est normalement la ligne de petite hanche, c'est-à-dire la moitié de votre hauteur taille-hanche. Là, moitié. Vous tracez la ligne et là, vous laissez à peu près une dizaine de centimètres ici, entre 8 et 10, disons 8 si vous faites du 38 et jusqu'à 10 si vous faites du 48 à peu près, pour vous donner une idée. De toute façon, le placement des plis, je dirais, il est un peu arbitraire, c'est juste esthétique. Quoi. Voilà, oui, il y a un moment, vous avez des choix esthétiques à faire, voilà. Et on ne peut pas les faire à votre place. Exactement. Donc, moi, je vais travailler avec deux pinces, mais encore une fois, si vous n'avez qu'une seule pince, vous tracez la ligne qui passe par la pointe de votre pince, vous vous décalez de 10 et tenez pas compte de la pince elle-même pour le moment. Donc là, vous voyez, moi, je crois que je suis sur une taille 40 celle-là, et j'ai 9 cm entre la pointe de la pince et là. Donc, si je trace cet axe-là, du milieu devant jusqu'à ma pointe de première pince, moi j'ai 17,
Bon, vous avez peut-être plus ou moins, hein, ça dépend vraiment de la taille. Voyez, comme je suis un peu feignante, en fait, 17, il faudrait que je le divise en 3, c'est pour avoir un axe là, un axe là. Je suis un peu feignante, donc on va prendre 18, Anne-Sarah, parce qu'en plus, j'ai oublié ma calculette, okay. Que j'ai pas envie c'est du ça tout de m'embêter. Que voilà. Si en fait, c'est ça. Mais c'est pas très grave, non, t'inquiète pas. Donc, 18 divisé par 3, ça va, je sais encore faire, même à cette heure-là, ça fait 6 cm. Donc, je vais mettre un premier axe de pli à 6. Et un deuxième axe de pli à 12, ça sera très très facile à suivre. J'ai juste ma gomme qui n'a pas été sortie, donc je vais sortir ma gomme pour être un peu plus précise. Et on va aller se tracer ça. Donc vous vous mettez un point, voilà, si vous êtes aux alentours de la taille 38-40, 6 et 12 cm, ça marche bien. Mais encore une fois, vous les répartissez, c'est vraiment qu'une histoire esthétique. Par contre, il faut bien que ce soit un tiers, un tiers, un tiers pour que les plis soient bien équirépartis. Alors, une fois que vous avez décidé cette valeur-là, ben en bas, ici, vous allez mettre les mêmes valeurs. Parce qu'on va voir qu'il va falloir qu'on trace des lignes. Alors, Marie va hurler. Je vais me lever sans trop mettre dans le champ de la caméra. Voilà. Alors, soit vous avez un réglet de 50 et tout se passe bien. C'est vrai qu'à un moment, vous aurez peut-être besoin d'un grand régleur. Vous allez me dire, oh, c'était pas marqué dans la liste. Alors, pas de panique. Je vous montrerai comment on fait avec deux petits réglers, comment on fait un grand réglet. C'est magique. Bon, pour le moment, petit normal... tuto spécial pour vous. pour le moment, on va faire une grande ligne. Donc, vous allez de votre point à votre autre point. Voilà, je vais quand même devoir me lever. Vous tracez une grande ligne. Vous la prolongez jusqu'à la ligne de taille. Hop, voilà, pareil ici. Donc ça, on est en train de tracer finalement l'endroit où on va aller insérer les plis. Voilà. OK. Donc, on a tracé l'endroit où on va insérer les plis. Et puis en fait, les pinces, du coup... on va aller les déplacer là et là. Alors, si vous avez deux pinces, cette pince-là se déplace là et celle-ci se déplace là. Si vous n'avez qu'une seule pince, vous allez prendre la largeur de votre pince, qui souvent est du coup plus large, fait plutôt 2,5 cm, 3 cm. La largeur, voilà. Vous n'avez qu'une seule pince, vous prenez la largeur et vous allez la diviser par deux. Donc, je vais faire le cas une pince, deux pinces déjà, et puis après, je vous réexplique pour une pince. Donc, une pince, ben, simplement, je mesure la largeur de la pince à la taille, là, donc ça fait 1,5 cm, et je viens la remettre là. Comme si je la déplaçais finalement. Donc je prends la moitié d'un centimètre et demi de chaque côté et je la retrace ici. Ça c'est juste pour ne pas oublier qu'il y a une pince de cachet. Vous verrez qu'à la fin il n'y aura plus de pince évidemment. Pareil ici, hein, vous remesurez la première pince, donc celle la plus proche du milieu devant, qui dans la plupart des méthodes fait la même valeur, mais bon, pas toujours, donc ça dépend de la méthode que vous avez utilisée. OK, voilà. Donc là, en fait, on supprime cette pince-là, on supprime cette pince-là. Alors, donc si vous n'aviez eu qu'une pince, imaginons que vous n'aviez que cette pince-là, dans ces cas-là, vous prenez la largeur de la pince à la taille, pareil, et en fait, c'est la moitié que vous allez mettre là et l'autre moitié que vous allez mettre là pour que la somme des deux fasse votre grosse pince. D'accord. Ce qui revient à peu près quand même à ça, parce qu'encore une fois, si vous n'avez qu'une pince, souvent, elle fait quand même plutôt 2,5 cm, 3 cm. Donc voilà, 3 cm, ça fait 1,5 là et 1,5 là. OK, jusque-là ? Voilà, donc on a tracé l'endroit où on veut les plis et on a juste déplacé les pinces à l'aplomb des plis pour que finalement, vous allez voir qu'elles viennent se cacher dans les plis. Puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, en fait, il n'y a plus de pinces. Il n'y a plus de pinces, donc à un moment, il faut bien que ces pinces, elles soient cachées quelque part. Voilà, elles ne disparaissent pas. Ah oui, c'est une question que j'avais eue sur le cours, dont vous verrez un extrait tout à l'heure. Est-ce que je peux supprimer complètement les pinces? Ben non, les pinces, elles sont là pour créer le volume en 3D, les rondeurs qu'il y a entre la taille et les hanches. Donc, vous ne pouvez pas les supprimer, parce que si vous les supprimez, c'est comme si vous deviez un sac. Une planche pour plate. Le coup, oui. Oui. Et non, pour le coup, voilà, on viendra. C'est ce que j'appelle les toons, vous savez, c'est ces dessins animés où on vous écrase à plat. Et puis là, vous, voilà. Mais nous, on est en rondeur, malheureusement. Donc, il faut qu'il y ait des pinces ou qu'en tout cas, elles soient cachées quelque part si on ne les voit pas. On va passer sur le dos pour faire un peu le même travail. Mais finalement, dans le dos, ça va être le travail un peu inverse. Dans le dos, si vous regardez à nouveau le dessin que j'ai caché en dessous. Est-ce que tu veux que je... Non, ça va aller, merci. Regarde, là tu vois dans le dos on n'a qu'un seul pli en fait. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait ce pli, bah, forcément j'ai pas de pince de visible, donc ça veut dire que je ne peux avoir qu'une seule pince cachée dans le pli et pas deux pinces.
Donc on va faire le fonctionnement inverse. Donc rassurez-vous, si vous n'avez qu'une pince, vous n'avez rien à faire. Et si vous avez deux pinces, vous avez à faire ce que... Il va falloir la cacher quelque part. Voilà. Donc en fait, c'est deux pinces du dos que vous avez si vous avez travaillé, par exemple, avec notre cours de tracer la jupe de base de Dominique Pelaine, eh bien, on va aller les transformer en une seule pince. Alors, je sais qu'il y a certaines méthodes où, des fois, je voulais tracer là pour un schéma, des fois, dans le dos, vous avez deux pinces qui ne sont pas au même niveau. Oui. Dans ces cas-là, vous tracez l'axe qui relie la pointe des deux pinces et vous venez le mettre au milieu en diagonale. D'accord. Donc là, nous, c'est tout droit, mais ça peut très bien être penché, peu importe. Et donc, vous mettez une espèce de pince moyenne totale. Donc là, tout simplement, vous mesurez l'écart qu'il y a entre les deux pointes de pince. Moi, il y a 7, donc je me mets à 3,5. Et puis, vous mesurez la largeur de la pince, la première pince, et la largeur de la deuxième pince. Vous faites la somme des deux. Donc moi, ça fait 3 cm. Et alors, vous allez me dire, oui, mais alors je la positionne où ? Il faut la mettre bien droit fil, parce qu'après, évidemment, il faut que le pli soit bien droit fil pour qu'il tombe bien. Ça, c'est un peu une règle du jeu sur les plis. Donc, du coup, si là, je suis par rapport au milieu d'eau à 10,7, alors, il faudrait logiquement se mettre à l'équerre. Hop là. On va se mettre à l'équerre pour se tracer une petite règle. Un petit... Hop. Voilà, pour retrouver une ligne droite, pas incurvée. On se met à 10, j'ai dit quoi, 10,7 ? Je sais plus. 10,7, c'est ça. On se met à 10,7. On trace ce qu'on appelle l'axe de la pince, c'est-à-dire son centre. OK, et comme j'ai 1,5 plus 1,5, ça fait 3, mais donc du coup, ça fait 1,5 de chaque côté, pour faire une seule pince au lieu des deux que j'avais. Encore une fois, une seule pince, et ça va être aussi l'endroit où le pli va aller se former par rapport à ça. Est-ce que tu crois, Christine, que... on peut éventuellement repasser au feutre. Oui. Parce que par contraste, du coup, c'est je vais vous les mettre en rouge. Voilà. Donc, première étape en haut, oh là, mon on feutre. On a un nombre de propositions de noms pour cette jupe. C'est vrai ? Oui. Bon, les traits seront un peu épais parce que mon feutre a pris un peu quelque chose là, mais c'est pas très grave. Du moment que vous voyez à la caméra. Et je vais vous recopier aussi les pinces du devant. Alors, attends. Hop là, on va faire une sombre manip. Merci. Alors, on est repassé sur le devant. Et je vous l'ai fait en rouge. Comme ça, au moins, effectivement, vous voyez un peu mieux par contraste. Surtout que le papier de soie, ça a tendance à briller un peu. Voilà. Alors, excusez-moi si du coup c'est un peu moins précis, mais du moment que vous comprenez le principe, c'est le principal, hein, comme qui dirait. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a préparé la position des pinces pour venir se mettre à l'aplomb des prochaines transformations, pour que finalement les pinces ne nous gênent plus. C'est un peu comme dans le buste, on s'arrange toujours pour aller fourguer la pince là où ça nous arrange. Voilà, on la met de côté ou on la met tout de suite dans la découpe à venir. Comme ça, au moins, après, les pinces, c'est plus un problème. On s'en occupe plus. Si, on continue à s'en occuper, mais elles ne gênent pas la suite des opérations. Bien, alors, qu'est-ce que j'avais prévu après ? Eh bien, déjà, j'avais prévu qu'on fasse une petite pause à ce stade. Oui, ça tombe bien parce que je commence à avoir des petites questions. D'accord. Est-ce que la pince d'eau n'est pas à équidistance entre la seconde pince d'eau et le milieu d'eau ? Alors, est-ce que la pince d'eau n'est pas à équidistance entre ? Entre la seconde pince d'eau et le milieu d'eau. Et le milieu d'eau ? Non, usuellement, s'il n'y en a qu'une seule, elle est à équidistance ici et là. Mais effectivement, si vous voulez vraiment avoir le pli tel qu'il est marqué là, vous l'auriez un petit peu plus près. Donc après, c'est une histoire de style et de position. Pardon, je vais plutôt que de pointer un écran qui est loin. De position de ce pli-là par rapport au milieu du dos.
Moi, je vous conseille de l'écarter un petit peu. Là, je prends une petite liberté par rapport au dessin de Marie-Gabrielle. C'est juste pour répéter. Ouais. En fait, c'est juste parce que quand vous allez vous adosser à un éventuel dossier de chaise, là, le pli, il est quand même très proche de la colonne vertébrale et il va vous gêner. Donc, je vous mets un tout petit peu plus loin pour que ce soit un petit peu plus confortable. Mais vous avez une latitude, effectivement, de cette pince. Vous pouvez la mettre un peu plus près pour vous rapprocher un petit peu plus du rendu du dessin de Marie-Gabrielle, avec le petit souci que peut-être que vous trouveriez ça un peu inconfortable selon contre quoi vous vous adossez. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de l'éloigner un tout petit peu. Mais après, voilà, c'est bien parce que ça vous illustre un peu le travail qu'il y a dans un atelier entre le modéliste, voire même des fois la couturière qui se permet de faire des remarques et le styliste qui n'a pas forcément pensé à tout. C'est un travail d'équipe et c'est justement ça. Et puis, en fait, on itère. Là, en l'occurrence, il se trouve que depuis hier, on n'a pas eu le temps de faire une toile, mais normalement, on aurait même dû faire une toile pour essayer et s'assurer que le look était bon et qu'il ne manquait rien dans les éléments techniques. Vous allez voir qu'il y a... Il y a des petites choses qui vont effectivement un petit peu varier par rapport à ça. Mais oui, c'est ça. Enfin, là, on a vraiment les réflexes que vous devez prendre en vous disant est-ce que mon vêtement, non seulement va être joli, mais va être portable au quotidien. Bah, portable, agréable, confortable. Voilà, on peut trouver plein de mots hables. Alors, on me pose des questions sur y a-t-il aussi un zip au dos ? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité ? Alors ça, c'est plus une question textile. On y reviendra peut-être aussi, peut-être un peu en fin de masterclass, si on a le temps. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de doubler cette jupe en partie, car le tissu est léger ? Alors le tissu est léger si vous choisissez un tissu léger, mais moi, je dirais qu'on pourrait même aller sur un tissu de poids moyen. Oui. Moi, je vous conseillerais quand même d'avoir un tissu pas trop léger. Oui, c'est ça. Parce que sinon, vous allez quand même avoir du mal à ce que l'effet paper bag, il se forme bien, quoi. Parce que, ou alors sinon, vous avez un risque qu'avec l'entoilage, ça cartonne. Donc moi, je vous conseillerais quand même un truc fluide, mais pas trop léger. Hein, je ne sais pas si vous voyez la différence. On essaiera peut-être d'aller piocher des échantillons pendant le petit visionnage pour vous montrer des types d'échantillons. Oui, on va vous prendre ça. Je vais voilà, aller fouiller dans le stock. Effectivement... une soie de poids moyen, un crêpe, voilà. Mais effectivement, évitez peut-être la petite viscose d'été, allez plutôt sur une viscose dite d'hiver, qu'on trouve plutôt en ce moment, qui est un peu plus épaisse au niveau du poids. Voilà, mais bon, après, il Je sais qu'il y a un double crêpe de laine chez Stragia à qui chercher une utilité, je le vois très bien pour ça. Par exemple, Je ne sais pas pour faire de la pub à Stragia, même si on les aime beaucoup, parce qu'on a... fait plein de partenariats avec eux, on n'a jamais été déçus, mais en l'espèce, vous voyez, je trouve qu'on sous-estime la variété des crêpes qu'il existe dans des fibres très différentes. C'est ça. Alors, on nous pose pas mal de questions sur le côté un peu morpho. Donc, à quelle morphologie cette jupe est-elle adaptée ? Et est-ce que ce type de ceinture ne risque pas de faire ressortir un éventuel petit ventre ? Alors... C'est une bonne question. Je pense qu'effectivement, il faut se demander à quel type de morphologie ça peut s'adapter. Alors, c'est clair qu'il faut, pour ce type de modèle, avoir quand même une taille un petit peu marquée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la forme H, c'est-à-dire vraiment des personnes qui n'ont pas une taille très marquée, ça peut poser un petit peu problème parce que, évidemment, du coup, ça va élargir une taille qui n'est déjà pas marquée et donc ça va encore renforcer l'effet forme H, quoi. Voilà. Donc bon, s'il y a une morphologie à qui je déconseillerais potentiellement ce type de modèle, ou alors à faire vraiment dans un tissu, là pour le coup, assez léger pour que les plis ne fassent pas des choses assez épaisses, oui. Après, on parlera du sens de coucher des plis. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les plis dans le dos sont couchés de sorte à ce que le fond de pli soit vers le côté. Alors que les plis devant sont orientés... Marie-Gabrielle m'a fait le changement. Oubliez-moi, on a fait un changement. Donc non, les plis sont orientés avec les plis plissés vers le devant. Donc c'est ce qu'on appelle les plis à la française, contrairement aux plis à l'italienne, où on les plie vers le côté. Je crois que je parle de ça dans le cours de transformation des pantalons. On parle beaucoup des pantalons à plis, parce que c'est vrai que c'est un cas particulier. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, les plis se ramenant vers le devant, forcément, ça peut avoir tendance à rendre le petit ventre. On va se parler de morphologie, hein, voilà, désolé, mais oui. Faut bien avouer ce qui est.
voilà, on a des morphologies avec un petit ventre. Et donc, du coup, ça peut avoir cet effet-là. Auquel cas, vous pouvez gagner à simplement plier les plis dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de les plier vers le devant, vous les pliez vers le côté. Sur le devant, voilà, vous lissez vous vers le côté. Vous poussez vers les hanches. Voilà, vous poussez vers les hanches, ce qui étoffe un peu les hanches. Mais à la limite, comme la taille est marquée par la ceinture, ça va donner une jolie forme un peu plus X, on va dire, ou en tout cas 8, une forme un peu trop haut qu'on pourrait avoir. Quoi. Alors je parle des formes X, H, O. Si d'aventure vous avez le livre CAP, n'hésitez pas à aller voir au début du livre où on explique un peu les typologies de style. Et peut-être que Charlotte en parle dans un de ses cours de oui, style. Oui, elle en parle dans son dernier cours de stylisme. Ça, assez classique comme typologie. Autre question peut-être ? Oui, alors comment peut-on inclure les valeurs des épaisseurs tissus lors des marges de couture ? Laine, doublure, entoilage. Alors, pour le moment, on ne parle pas du tout de marge de couture. Hein. Ça, on n'y est pas encore. On fait un patronage déjà. Après, on parlera éventuellement, et on va en parler au moment où on fera la ceinture, de justement comment on gère les épaisseurs, puisque la ceinture, elle va devoir faire la bonne forme, mais elle va devoir gérer le fait qu'il y a les plis qui passent par-dessous et qui, du coup, génèrent des épaisseurs. Là, pour le moment, on ne s'occupe pas spécialement de ça. Après, c'est vrai que si vous le faites dans un tissu un peu épais, attention quand même aux plis. Mais je dirais que c'est souvent au moment du plissé qu'on enlève un petit millimètre ou deux parce que le tissu est épais. Quoi. Donc, c'est à l'assemblage que ça se traite, pas au moment du patronage. Enfin, on peut, mais on ne fait pas un patron industriel pour en faire des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Oui. Donc, c'est pour vous. Vous faites l'artisanat, donc vous pouvez encore jouer d'un millimètre ou deux selon le tissu. Parce que bon, quand on fait dans l'industrie, on connaît déjà le tissu et donc on fait des petites adaptations de patron à l'industrialisation pour tenir compte du tissu. Bon, là, c'est pas notre cas, donc ce soir, on ne traitera pas forcément de ça. Sinon, là, pour le coup, c'est 5 heures du matin. Ah oui. Je ne sais pas si vous serez nombreux. Non, c'est ça. On nous demande si ce qu'on appelle un tissu de poids moyen, en nous précisant de 100 grammes par mètre carré. Ouais, 170, 200, voilà, ouais, c'est ça. C'est à peu près pas au-delà des 350. Ah oui, vous allez faire une jupe manteau. Mais... Voilà, c'est ça. Après, ça dépend aussi des fibres. C'est ça, c'est un équilibre subtil. Ouais, le crêpe, par exemple, pèse plus lourd au mètre carré parce qu'il y a ce fil crêpé torsadé. Oui. Donc, c'est difficile selon les types de fibres et les types de tissage. Quoi. Alors, je me verrais bien porter la jupe en plus court. C'est bien, vous vous projetez déjà. Super. Est-ce que c'est envisageable? Bien sûr. Si on raccourcit la jupe, comment va être le tombé de la jupe? Pas très différent. Oui. Non, pas très différent. On peut. À moins que vous la raccourcissiez au niveau de la cuisse. Oui, mais on peut largement s'imaginer la jupe. Il faudrait recréer un évasé, mais on pourrait tout à fait. Moi, je vous conseille dans ces cas-là, remonter carrément au-dessus du genou. Voilà. Et puis, ça peut faire une petite jupe d'été sans trop de difficultés. Ouais. Tout à fait. Et dernière question, est-ce qu'un satin de coton conviendrait? Ça ne serait pas mon premier choix, moi. Oui. Après, satin de coton, tout ce qui est twill, satin, gabardine, ça peut avoir des poids très différents. Ouais. Des tombées, et puis des fois, ça risque d'être un peu... Un petit cosset un peu cassant qui va pas forcément trop se convenir au niveau des... Là, l'idée, c'est qu'on passe d'un pli bien marqué à un pli complètement pas du tout marqué. Donc, il faut faire attention à ces tissus Le problème du satin, c'est que soit on le marque au fer, et là, le pli est hyper marqué, soit si on ne le marque pas du tout au fer, au contraire, il a beaucoup de rondeur, et vous pouvez avoir un effet un peu bizarre à la jonction entre la zone marquée au fer de la partie haute et la zone libre de la partie basse. Donc, méfiez-vous, ouais, ce ne serait pas ce que j'aurais choisi en premier. Mais bon, il faut toujours faire un essai, de toute façon. Donc, pas de réponse catégorique en termes de choix de tissu sans l'avoir vu. Ce ne sont plus des questions, mais je te fais deux points. L'un sur les noms proposés, il y en a des très drôles. Mm-hmm. Il y a des noms très jolis, Suzette, Athéna, Léopoldine, Irma, Colette, Hortense.
quitterie. Et donc, on propose Marie-Christine. Alors, en soi, je ne dis pas du tout que Marie-Christine est très drôle, mais c'est pour célébrer la collaboration entre toi et Marie-Gabrielle. Ben, pourquoi pas. Et donc, on nous a dit, bah, puisqu'on ne trouve pas de traduction française pour paper bag, appelons-la paper, mais avec un E, comme la sorcière dans Charmed. D'accord. Et donc, ça a donné, pour le franciser et l'anciennisé, entre guillemets, Paper Teen. Ah, c'est pas mal. Hein, oui. Paper Teen, donc ça va très loin, mais continuez, on vous suit. J'ai découvert des prénoms. Corizante, je ne connaissais pas. Et l'autre point, c'est qu'on voit beaucoup mieux au feutre rouge. Eh bien, écoutez, on va continuer au feutre rouge. J'en ai plein de couleurs, donc on va essayer de faire chaque étape dans une couleur différente pour que vous puissiez suivre. On va faire ça. Bien, alors si on continuait ce patron là où on en est. Alors avant d'aller s'occuper de la partie haute, qui est quand même le truc qui va forcément nous prendre un peu plus de temps, puisque c'est quand même le cœur du problème, c'est cette taille rehaussée, on va déjà faire la peau à la partie basse de la jupe. Donc je dirais que même souvent on commence par ça. Bon, d'accord. Voilà, c'est quoi la longueur, c'est quoi les vasés, bon. Voilà. C'est presque le plus simple. Il se trouve que juste, pour rien de cacher, comme on a un extrait de cours à vous montrer sur les vasés et qu'on avait dit qu'on le mettait au milieu du cours, du coup j'ai un peu changé l'ordre. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est indépendant en fait, qu'on s'occupe de la longueur et de ce qui se passe aux pinces. Donc on pouvait le faire avant, après, il n'y a pas trop de soucis. Donc on va déjà fixer la longueur de cette jupe. Alors, vous allez me dire la longueur, bah, c'est quoi la longueur de la jupe? Bah, ça va un peu dépendre de ce que vous voulez. J'ai perdu mon grand réglé. Il est caché dessous, là, regarde. Hop là. Alors, oui, si j'avais dit que je montrais comment je faisais un grand réglé. Alors, si vous avez que deux petits réglés. Regardez, bon, il faut en avoir deux quand même. Hein. Regardez si c'est pas magique. Vous en avez deux, vous prenez du scotch. Là, vous avez tout le savoir-faire de Christine dans cette seule action, donc profitez-en. Et là, oh, c'est pas magique. On se fait une règle de presque un mètre, l'air de rien. Voilà. Bon, ok, vous avez votre règle. Vous avez bon. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je ne pourrais pas la déscotcher, donc c'est pas grave, je fais ça à la pause. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, il va falloir qu'on fixe la longueur de la jupe et que, évidemment, votre réglet de 50 cm, il ne va pas forcément être suffisant, mais vous pouvez aussi le déplacer. Hein. Il n'y a pas de souci, si vous le déplacez, je vais vous montrer comment. Alors, une longueur de jupe, c'est toujours plus simple de la mesurer, pas complètement milieu devant, parce que milieu devant, si vous avez un petit ventre, c'est pareil, on va prendre la rondeur du petit ventre, donc c'est un peu dommage. En fait, à peu près à l'endroit où vous auriez la première pince ici, c'est-à-dire une dizaine de centimètres à droite du milieu devant ou à gauche, et là, vous mesurez tout droit, là, à partir de la taille jusqu'à la longueur que vous voulez. En plus, c'est à l'aplomb de la jambe et donc du genou, et donc c'est facile de descendre jusqu'à la longueur que vous voulez. Là, si on regarde le dessin... Le genou de la petite dame est à peu près ici, hein, proportionnellement, à milieu de ses jambes. Donc, on serait sur quelque chose de rallongé de 20-25 cm par rapport au genou. Voilà. Bon, après, je dirais que... regardez. Moi, ce que je conseille souvent sur les jupes, c'est que vous en avez si vous en portez, c'est que le modèle vous intéresse. Et donc, vous en avez dans votre garde-robe. Et ben, vous mesurez votre jupe fétiche, la longueur qu'elle a. Et vous vous dites que, bah, tiens, je fais la même. Et puis voilà, oui. On ne se pose plus de questions sur métaphysique, sur c'est quoi la longueur de la jupe que je veux. N'hésitez pas à les plier voilà. Vous en portez une, vous la mettez à plat, vous la mesurez, ça vous fait une bonne idée. Bref, ma jupe de base, là, elle fait 56. Donc l'idée, c'est que je vais lui rajouter presque 25 cm. Comme je suis très feignante ce soir, décidément, je vais arrondir à 80 au lieu de 81. Comme ça, ça fera 24 cm de plus. Mais encore une fois, c'est que complètement arbitraire. Hein. C'est à vous de voir. Donc, tout simplement, une fois que vous avez décidé ça, par contre, donc vous l'avez mesuré sur cette fameuse pince, première pince milieu devant. Vous le faites vraiment pile milieu devant. Donc, on dit qu'on se rajoute 24 cm. Hop, on se met une petite tique, une petite marque, d'accord. Et alors, par contre, attention, sur le côté, comme c'est incurvé, vous repartez bien de l'ourlet en vous mettant bien le long de la couture droite de côté, puisqu'on est parti du patron d'une jupe droite. Alors, pareil, hein, y a des méthodes qui vous font une jupe droite, mais très légèrement évasée d'un centimètre. Donc, dans ces cas-là, assurez-vous, vous avez la même largeur d'ourlet que la ligne de hanche pour être bien droit pour ce qui suit. Je ne sais plus quelle méthode j'avais vue qui faisait ça. C'est pas un souci en soi, hein, c'est juste qu'on part de la même base.
Donc pareil, 80, on trace, on ferme. Pour le moment, on ferme tout droit. Donc en fait, je n'ai fait que prolonger la jupe. Donc là, j'ai fait une jupe droite qui fait 24 cm de plus de long. Ah oui, j'avais dit que je traçais en couleur. Oh là là, n'importe quoi. Bon, on va faire ça en vert. Je reprends. Hop là. Voilà. Donc, vert pour l'allongement de la jupe. OK. On va faire le même allongement dans le dos. Mais alors attention, parce que là, je vous rappelle que la hauteur de votre jupe d'eau n'est pas forcément la même que celle du devant. Je vous explique. Merci Anne-Sara, c'est super gentil. Je suis petite main ce soir. C'est super gentil. Je devrais te recruter pour tous mes cours. Ah, je ferai ça avec plaisir. En fait, la hauteur du haut du dos jusqu'à l'ourlet n'est pas forcément la même que celle du devant, surtout si vous êtes très cambré. Donc, si vous avez fait des ajustements de cambrure, vous pouvez ne pas avoir la même hauteur. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, hop, je mesure la même hauteur de là à là. Et du coup, vous n'avez pas le même ourlet. En fait, c'est la différence entre votre ourlet de jupe de base et le bas qui compte. Une fois que vous l'avez fixé sur le devant, vous prenez la même valeur dans le dos. Donc, 24 cm. Et on ne s'occupe pas de savoir combien ça fait depuis le haut. Donc 24. Jusqu'à 50, ce sera bien. Voilà, pareil sur le côté. Hop, mettez-vous bien à l'aplomb de la fin de votre ligne précédente pour bien faire un rectangle. Et on ferme. Alors moi, je trace avec les feutres, mais je vous conseille, et surtout si vous ne patronnez pas très souvent, crayon de papier, parce qu'on a vite fait d'avoir la règle qui rippe. Il vaut mieux avoir un crayon de papier et seulement à la toute fin recopier. Voilà pour ça. Je crois que c'est le moment de vous montrer un petit extrait du cours de transformation de jupe. On va parler des évasés. En fait, c'est ce qui va permettre d'aller évaser le côté. Moi, je vous le ferai hors caméra pendant tout ce temps-là. Et nous, on fait une petite pause. Je vais aller chercher des petits tissus. Et on va parler tissu. Enfin, on revient pour parler tissu. À tout de suite. À tout de suite. On se retrouve donc sur cette partie sur les modifications de la forme du bas de la jupe avec une première transformation qui est « Ah oui, mais moi les jupes droites, j'aime moyen, je préfère quand c'est un peu évasé, comme ça quand je marche c'est plus d'aise, ou bien j'ai un tissu qui se prête mieux à une jupe un peu évasée. » Alors là, ça va être le premier évasé, un léger évasé, ce qu'on appelle plutôt une jupe trapèze. Et donc du coup on va avoir juste un petit écartement sur le côté. Alors si on regarde sur ces planches, on a donc voilà, on va aller juste écarter un petit peu le côté du bas de la jupe que vous aurez déjà effectivement réglé à la longueur qu'on fait, ce qu'on a vu juste avant, et on va aller voir ce qu'on fait du coup au niveau de l'ourlet pour gérer cet évasé. Alors la règle, c'est que lorsqu'on va évaser le côté, il faut... On peut évaser un petit peu, mais pas trop. Je vais vous montrer ce que veut dire un petit peu, mais pas trop. En fait, ici, on va aller dans l'exemple que je montre, qui est une jupe qui est au genou, voilà, à peu près. Je crois que c'est un tout petit chouille au-dessus de mon genou. Enfin bon, voilà, peu importe. On va aller évaser de 3-4 cm. Donc, quand on est un petit peu au-dessus du genou, on peut faire 3-4 cm. Un peu au-dessous du genou, on peut aller jusqu'à 5 cm. Et en bas, si pour une jupe vraiment longue, on peut aller jusqu'à 7 cm. Je vais vous montrer pourquoi il y a ces limites-là et en quoi, après, on peut effectivement faire une jupe beaucoup plus évasée. Mais il y a une autre technique qui viendra juste après pour vous montrer comment faire. Donc là, je suis un peu au-dessus du genou. Donc, je vais évaser, disons, 3 cm. Donc, tout simplement, votre ligne d'ourlet que vous avez réglée précédemment, vous venez prolonger cette ligne de 3 cm et vous mettez une petite marque. Et puis pareil, dans le devant, sur le côté, on est bien d'accord, on ne change rien au milieu devant et au milieu dos, c'est le côté qui est élargi. Ça paraît évident, mais ça va toujours mieux en le disant. Pareil, donc 3 cm. D'accord ? La même chose dos devant, c'est important, je vous rappelle, et Dominique, vous l'avez expliqué dans le cours sur la jupe de base, d'avoir, pour une question de bien aller de la couture de côté, une bonne symétrie exacte entre cette couture du devant et cette couture du dos. Et ça vaut pour la ligne de hanche, comme on l'avait vu sur la base, mais ça vaut pour tout le reste de la couture, évidemment, jusqu'en bas.
Alors là, on va aller rejoindre de ce point élargi la fameuse courbe de hanche qui est ici. Alors idéalement, on la rejoint au point de hanche. Si on peut zoomer là sur ce point-là, hein, donc on la rejoint à ce point-là, qui est, je vous rappelle, le point le plus large de votre patron, puisque là, on est sur la ligne de hanche, avec son aisance, évidemment. Et donc, on vient rejoindre là. Donc, si j'ai pris 3 cm, ce n'est pas anodin, c'est parce qu'en fait, on vient rejoindre là. Imagine, donc je vais le tracer déjà, et puis après, je vous montrerai après ce qu'on fait si on n'y arrive pas. Donc, on trace. Et je trace pareil dans le devant. Avec exactement la même courbe. Alors, imaginons que j'ai, au lieu de 3, j'ai pris 4. J'aurais été ici. Et là, je vais vous le montrer en mettant la règle de l'autre côté parce que ce sera plus clair pour vous. Du coup, je pourrais avoir tendance à me dire... Non, je vais vous mettre la règle de ce côté-là, comme ça vous verrez. Je pourrais avoir tendance à me dire, je rejoins mon point de hanche, le fameux que j'ai entouré là. Et vous voyez, je le rejoins... Mais après, en fait, j'ai la courbe de hanche qui arrive, enfin la ligne de couture qui arrive comme ça, et après la courbe de hanche qui ressort, ce qui fait qu'en fait, j'ai un angle ici qui apparaîtrait. Je vous force un peu le trait, mais on est un peu comme ça, c'est-à-dire que voilà, j'aurais une ligne qui arriverait comme ça, et avec un angle ici, ça repartirait le long de la ligne de hanche. Donc ça, il ne faut surtout pas, parce que alors en couture, je ne vous raconte pas, quand vous allez monter ça, ça va faire un bec ignoble sur le côté. Vous allez vous précipiter pour faire une retouche. Donc ce n'est pas la peine de tracer un patron pour le retoucher tout de suite derrière. Donc si vous avez élargi un petit peu plus, n'hésitez pas à redonner un tout petit peu plus d'aisance au niveau des hanches pour venir ici longer. Donc ça veut dire, si je me mets de l'autre côté, je pars de mon point à 4 cm là. Et au lieu de passer par mon point de hanche, je bascule un tout petit peu jusqu'à ce que ma ligne, ma règle vienne longer ma courbe de hanche, mais un petit peu plus haut. L'impact que ça a, c'est que ici au niveau des hanches, j'ai un tout petit peu rajouté d'aisance, mais pas beaucoup, vous voyez, j'ai peut-être 3 mm là. Donc bon, il ne faut pas oublier que si vous avez 3 mm, attention quand même, hein, c'est 3 mm par demi-patron d'eau, demi-patron devant, donc ça fait 3 mm plus 3 plus 3 plus 3, donc ça fait quand même 3 fois 4, 1,2 cm. Ce qui n'est pas anodin, mais on peut encore se le permettre. Et de toute façon, c'est bien mieux que d'avoir le bec dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si c'était le cas, on irait le tracer comme ça. Bon, je peux vous tracer les deux, comme ça vous aurez les deux. Hop, d'accord ? Et là, pareil, si j'avais 4 cm, je serais venue longer un petit peu plus haut. Mais vous sentez bien avec cette histoire que si je voulais évaser beaucoup plus, beaucoup plus loin, hein, imaginons que j'aille à 7 ou 8 cm, par exemple 6,5, je reviendrai là. Là, au bout d'un moment, je vais vraiment m'éloigner énormément de ma ligne de hanche, donc ça va faire un truc bizarre sur le côté là, parce que je vais vraiment trop m'éloigner de ma forme, de ma couture de côté. Et c'est pour ça que là il y a une limite, et que je vous parlais de ces 3 à 4 cm au niveau du genou, parce que au-delà vous pourrez faire l'essai, hein. Comme je dis toujours, en patronage c'est sympa de tracer des patrons, mais il faut les essayer au moins en toile pour se rendre compte de ce que ça donne en volume. Je vous invite à regarder ce que ça donne en volume. Vous aurez quelque chose qui va faire une forme un peu bizarre sur le côté. Bon, ça va pas bien épouser la ligne, la courbure de vos hanches ou des hanches de la personne pour qui vous cousez. Et du coup, vous aurez quelque chose d'un peu particulier. Donc, si on veut évaser plus, c'est pas par cette méthode sur le côté que ça se passe. Encore une fois, on verra ça juste après. Alors, pour le besoin de la suite du cours, je ne vais pas m'occuper de la ligne de 4 cm. Je vais rester sur ma ligne à 3. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve ici? Alors, je ne vais pas travailler avec du calque pur. Je vais juste vous montrer avec du papier de soie, mais ça revient au même. Si ici, j'ai mon ourlet que je laisse tel quel, je recopie ma ligne de côté, juste hein, quelques centimètres là, et ma ligne d'ourlet. D'accord? Quelques centimètres. Donc là, j'ai ourlet du dos et là, j'ai le côté du dos. Cette ligne de côté, elle est amenée à être cousue avec l'autre côté du devant. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Donc en fait, je superpose à ma ligne de devant.
Il n'y a que là, évidemment, les deux côtés se confondent, côté devant et côté dos. Et je retrouve du coup mon ourlet du devant. Et vous voyez ce que ça donne? Alors, ce n'est pas forcément fondamentalement flagrant, mais il y a quand même un petit angle qui apparaît ici, c'est-à-dire que je ne suis pas droit, quoi. Donc, en fait, avec le tissu, en plus, quelquefois, avec les déformations de tissu, on a un effet aggravant. On peut se retrouver avec un espèce de bec, là, sur le côté, sur la couture de côté, là, tout en bas, ce qui n'est pas très joli. Donc, il est souhaitable de venir arrondir ici et, en fait, d'arriver avec notre fameux équerrage ici. C'est-à-dire qu'il faut que les deux arrivent à angle droit. Donc, ça, c'est important de toujours penser à qu'est-ce qui se coud avec quoi. Sans se coudre, voilà, quelle couture va avec quelle couture et en quoi l'assemblage des deux va nous donner quelque chose de joli ou va créer ce que j'appelle un bec ou un creux. Donc un bec, c'est quand ça fait un angle comme ça, un creux, c'est si on arrivait au contraire dans le sens inverse, avec le patron comme ça, là. Et est-ce que du coup je peux améliorer la situation dès le patron et pas forcément le faire un petit peu au petit bonheur la chance à la couture, parce qu'au petit bonheur la chance, ça veut dire qu'il faut avoir la chance de faire la même chose à droite et à gauche, ce qui n'est pas toujours gagné. Et donc du coup, autant l'avoir prévu au niveau du patron. Donc pour ça, si je veux avoir réglé mon problème, je vois que là, si j'avais quelque chose d'arrondi, je vous le ferai au pistolet, ce serait mieux. Si j'avais quelque chose d'arrondi là, j'arriverai beaucoup plus joliment à trouver quelque chose qui épouserait plus les choses. Donc ça va être le principe, c'est qu'on va aller arrondir sur les côtés en équerrage. Je vais pousser tout mon bazar. Donc sur le côté, en fait, je remonte un petit peu la couture de côté d'un petit centimètre par rapport à mon ourlet de base. Donc je me remonte un point. Et là, je me fais un petit équerrage. Donc encore une fois, la règle japonaise, c'est super, parce que pour les petits angles droits, tout petits comme ça, c'est très bien. L'équerre est beaucoup plus utile. Pardon, excusez-moi, voyez le fait d'avoir deux lignes. Je me suis trompée entre les deux, donc surtout ne faites pas ça. Vous ne faites qu'un seul tracé. J'ai pris la ligne à 4 cm au lieu de celle à 3. Donc le point que vous remontez de 1 cm, c'est évidemment sur la même ligne, à 3. Et vous faites votre petit angle droit. Donc je disais donc que pour les petits équerrages, vous pouvez utiliser la règle japonaise. Pour les grands équerrages, prenez vraiment l'équerre. Hein. C'est quand même plus fiable quand il faut faire un rectangle de base, par exemple. À la règle japonaise, ce n'est pas suffisamment précis. Donc là, on a fait nos angles droits, ici et là. Et on n'a plus qu'à venir retrouver une courbe qui arrive ici. Alors l'idée, c'est que c'est arrondi ici. Alors vous voyez, mon équerrage, il est bien, mais il n'est pas assez long. Parce qu'en fait, c'est mieux s'il se prolonge un peu plus loin. Voilà. Et du coup, je viens rejoindre en arrondi, tout simplement. Donc, je me mets le long de ma ligne. On dit qu'on se met en tangente. Le long de ma ligne à angle droit. Et je viens avec le pistolet retrouver un petit arrondi avec mon ourlet d'origine. Et là, pareil, je me mets le long de ma ligne et je crée un petit arrondi. Ce qui, au fini, va me donner un ourlet, je vous garantis qu'il va être bien, bien droit, bien plat. Et par contre, va faire une couture de côté, où là, on peut refaire le même travail, mais comme je suis à angle droit, je peux vous garantir que ça va fonctionner. C'est-à-dire que si je calque ma couture de côté, comme tout à l'heure, mon ourlet et ma couture de côté, donc là, j'ai ourlet dos et côté, et si je viens superposer cet ourlet avec mon côté du devant, et là, j'ai l'ourlet du devant, grâce à l'équerrage, hop là, j'ai une ligne qui est bien, bien droite. Et du coup, à la couture, j'aurai quelque chose sans bec, sans creux au niveau de la couture de côté. Donc, c'est la seule particularité de cet évasé, c'est bien penser à créer cet arrondi ici en remontant légèrement la couture de l'ourlet sur la couture de côté.
Rebonsoir, nous revoilà donc juste après l'extrait de cours qui vous était diffusé et qui vous permettait de voir l'évasement de la jupe. Alors juste, comme il y en a quelques-unes d'entre vous qui sont en train de nous rejoindre, où est-ce que vous êtes tombés? Ben, vous êtes en pleine masterclass modélisme avec Christine Charles, donc des ateliers Rêve à soi, que vous connaissez bien si vous suivez nos cours, si vous suivez ces formations pro, à distance ou en présentiel, enfin même si en ce moment, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Tout va bien. On va se contenter du distanciel et de votre chaleur ce soir. On est en train de faire quoi, Christine? On est en train d'apprendre à transformer un patron de base de jupe pour faire le patron de cette jolie jupe que vous avez, pour laquelle vous avez voté. On vous avait proposé trois dessins et vous aviez choisi celle-ci. Et donc, on est en train d'apprendre à transformer pour créer le patron de cette jupe. Voilà. Et si vous avez raté le début, pas d'angoisse. On laisse le replay disponible sur YouTube ou sur Facebook. Donc, vous pourrez y revenir. Pareil, si vous n'avez pas bien vu quelque chose, vous inquiétez pas. Ou si vous n'avez pas eu le temps de... On ne panique pas. Il faut avoir votre jupe de base prête ou la faire après ce cours et y revenir. Comme vous êtes nombreuses à nous poser la question... Donc l'extrait de cours que vous venez de voir, c'est le cours de transformation de la jupe de base. On a toute une série de cours que vous animez en tandem, Dominique Pélène de DP Studio et toi, donc sur à chaque fois la construction d'une jupe de base ou d'un patron de base, donc jupe, pantalon, etc. Il faut qu'on s'occupe de la veste et du manteau. Et puis les transformations, et finalement ce qu'on fait là, c'est une des transformations. On ne peut jamais tout traiter dans un cours, puisqu'il y a une infinité de transformations possibles, mais c'est vraiment, on essaye de comprendre la mécanique d'une transformation, comment on étudie un dessin de style et comment on le revoit. Donc, on vous montre les deux bandes annonces de ce cours parce que vous êtes, normalement, on attend la fin, mais là, vous êtes plein à nous poser la question. Donc, voilà les deux bandes annonces et on vous donnera les codes promotionnels que vous nous demandez juste après. Vous avez appris à construire votre jupe de base et avez désormais envie d'aller plus loin et de modifier ce patron? Christine Charles des ateliers Rêve à soi vous aide à approfondir les secrets du modélisme et à maîtriser les modifications simples et complexes de la jupe de base. De la longueur de la jupe aux évasés, aux rehausses et aux ajouts de plis ou de volants, Christine évoque toutes les modifications possibles pour vous aider à créer le patron de jupe de vos rêves. Je vais utiliser le fait que la pince ici peut se fermer pour venir ouvrir un évasé. Donc en fait, je vais plier le premier côté de la pince, c'est une histoire de précision. Là. Vous pliez bien sur la ligne. C'est là que vous comprenez pourquoi il faut tracer au critérium HB bien fin. Comme tous nos cours, ce module vidéo est accessible à vie et vous donne accès à notre fil de discussion professeur-élève ainsi qu'à tous les documents de cours nécessaires. N'attendez plus pour approfondir le modélisme et utilisez votre jupe de base avec Christine sur artesane.com. En couture, le modélisme et la coupe à plat sont une science exacte et le moyen de créer vos vêtements sur mesure. Dominique, fondateur de DP Studio et auteur d'une Bible en 3 tomes sur le sujet, vous fait bénéficier de sa pédagogie d'excellence pour apprendre à créer votre jupe de base. Cette première étape incontournable dans l'apprentissage du modélisme passe par la construction d'une base sur mesure, le placement approprié des pinces, l'ajustement de la taille, puis la construction d'une ceinture. Dominique abordera ensuite avec vous l'épineuse question du couturage. Vous avez un petit millimètre de décalage ici, qui n'est pas très logique en fait, d'accord? Il faut vraiment remonter le pistolet pour que je vienne récupérer ma tangente ici. Comme tous nos cours, ce module vidéo est accessible à vie et vous donne accès à notre fil de discussion professeur-élève, ainsi qu'à tous les documents nécessaires. Vous avez envie de passer une véritable étape en couture et de commencer une formation en coupe à plat? Alors rendez-vous sur artesane.com. Top plateau, je termine le décompte de Marie. Alors voilà, pour ces deux cours, comme ça vous vous repérez, mais normalement c'est celui de Dominique en premier pour construire votre jupe et celui de Christine ensuite. C'est mieux dans ce temps-là. C'est mieux, vous n'aurez rien à transformer, sinon ça peut être embêtant. Ça peut être un peu embêtant. Et le code qui s'applique, puisque vous nous le demandez, jusqu'à dimanche est de 10% sur tous les cours individuels de modélisme. Et de 15 sur le pack complet. Et c'est très simple à retenir pour vous, puisqu'il s'agit de soirée modélisme tout attaché. Voilà, mais je pense qu'Armel va vous le mettre dans le chat. Et on continue ou tu veux prendre quelques questions?
Bah, peut-être quelques questions avant qu'on embraye, parce que tu me connais, après on n'arrête plus. Non, je blague. Alors, question très pratique, mais y a-t-il un côté à privilégier lorsqu'on trace sur du papier de soie? Alors, c'est une réponse que je fais souvent. En fait, le papier de soie, alors ça dépend des marques, hein, mais vous avez souvent un côté brillant et un côté mat. Moi, j'aime bien le côté brillant, même si la réalisatrice aime beaucoup moins, parce que les crayons de papier, les critériums glissent bien dessus et que ça se gomme facilement. Mais l'inverse, c'est qu'on a de la réverbération, de la lumière dessus, donc ça peut être un petit peu fatigant pour les yeux. L'inverse étant vrai sur le deuxième face, c'est-à-dire que c'est moins réverbérant, mais ça, le crayon de papier glisse moins. Oui, ça gratte un peu. Voilà. Après, vous pouvez aussi utiliser du papier craft. Moi, j'aime bien le papier de soie, papier patron, parce qu'on voit au travers et que du coup, on calque facilement. Alors, on me dit, je ne crois pas avoir vu les ajustements de la jupe de base à la cambrure du dos dans le cours sur la jupe de base. Cela est-il traité dans une autre vidéo? Alors. Bah, c'est traité dans le cours sur la jupe de base par la mesure que Dominique utilise pour la mesure de hauteur buste dos qu'il utilise et quand il va aller creuser l'arrondi du dos. Mais effectivement, lui, il le trace pour une taille standard 38 qui n'est pas très cambrée. Si vous êtes plus cambré, bah, vous pouvez avoir du coup une mesure de hauteur de jupe dos, pardon, pas hauteur buste dos, pardon, une hauteur de taille dos au sol qui soit différente de la hauteur de taille devant au sol. Ça, on a un cours gratuit sur la prise des mesures de la jupe. Mmh. Vous pouvez voir via ce cours ce que ça signifie ces deux mesures. Et du coup, bah, c'est à l'usage de cette mesure dos qui du coup est très différente de celle du devant que vous faites un ajustement particulier. Donc c'est le même principe de tracé, mais avec une mesure un peu différente de celle qu'utilise Dominique, mais sinon c'est la même chose. Donc voilà, vous avez tout pour normalement faire cet ajustement-là. Alors j'ai du boulot pour toi, Christine. Avez-vous publié un recueil de transformation de la jupe de base qui montrerait divers modèles? Écoutez, peut-être un livre futur, non, pour le moment, on va vous renvoyer sur la Bible de Dominique Pollen. Oui, là, il y a tout. Donc, je crois que c'est dans le tome 1 des livres de modélisme de Dominique Pollen, donc les trois tomes sur fond noir, là, que... On a, bon, bref, je ne sais plus exactement le titre, il m'excusera si je n'ai pas son titre en tête. On vous le retrouvera. On mettra le lien. Et effectivement, vous avez, je crois, presque 150 pages sur... le tracé des différentes jupes, des différents trucs. C'est très didactique, toutes les étapes sont expliquées. Vous voyez très bien les modèles qu'il veut. Exactement. S'il y a un ouvrage à vous conseiller, c'est celui-ci, par rapport aux différentes transformations possibles. Ça reste un livre, et donc après, n'hésitez pas à regarder les cours vidéo qu'on vous a indiqués là, dont on vous a mis les bandes-annonces, pour avoir au moins le béaba des premières transformations. C'est très complémentaire, nous disent d'ailleurs les gens qui ont les deux, c'est que ça les débloque pour ensuite... C'est ça. Aborder le livre qui est quand même trapu, on peut se le dire, quand on n'a jamais fait de modélisme, mais qui est de grande qualité. Un livre de formation professionnelle à la base. Hein, donc c'est vrai que si vous débutez en modélisme, ça peut être un peu rude, mais voilà, on a des cours vidéo pour vous aider. Tu veux faire un point sur les tissus ou tu veux le faire après? Oui, on va parler tissus juste avant de continuer, puisque vous aviez des questions avant la pause sur c'est quoi les types de tissus qu'on pourrait utiliser. Alors, on n'était pas forcément très riche dans la tissu tech artésale là ce soir par rapport à ça, mais pour vous montrer, on a sélectionné avec Anne-Sara cette petite cotonnade, juste pour vous montrer comment je juge du fait que l'effet paperback dont on a longuement parlé tout à l'heure peut fonctionner. En fait, vous formez un peu des plis là, comme vous avez au niveau de la taille de cette jupe. Et vous savez, ces plis, bah, comme vous voyez, ils sont tenus par une ceinture, mais ils sont tenus un peu plus bas que les plis. D'accord ? Et bien tout simplement, vous regardez si les plis restent vers le haut comme ça ou s'ils s'écroulent complètement sur eux-mêmes. S'ils s'écroulent, ben, en fait, vous là, allez avoir. Je pense qu'ils vont s'écrouler. Voilà. Je te donne un contre-exemple. Voilà, autre exemple d'un tissu beaucoup plus mou. Ou là, il faudrait entoiler peut-être. Ou là, il faudrait entoiler. Je pense qu'on y arriverait quand même parce qu'on va voir qu'on a quand même un enforme intérieur qui va se permettre d'être entoilé. Mais effectivement, là, celui-là, regardez comme le pli, il s'est écroulé sur lui-même, quoi. Donc là, on a vraiment un tissu qui sera plus difficile à mettre en forme ou en tout cas, vous n'aurez pas le même effet à la taille. En tout cas, ça, c'est sûr, on peut le garantir. Voilà, et puis on en avait sélectionné un autre... une sorte de lamé, mais enfin là, Marie-Laure saurait sûrement mieux que moi nous dire
le terme exact, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un lamé dans lequel j'avais fait une robe de soirée il y a quelques années. Et donc là, on va avoir pareil nos plis, hein, toujours dans le droit fil. Et là, pareil, on les tient ici, et on voit bien que ça se tient, hein, ça reste bien dressé vers le haut. Et donc l'effet paper bag serait tout à fait réussi. Anne-Sara, est-ce que je peux t'embêter ? Bien sûr. Merci beaucoup. Comme j'avais défait le décor en me disant, mais on n'a pas assez de tissus, en fait, chez Artézane. Mais le problème, c'est que ce sont des tissus non, mais vous en avez de mis, saison. Ils sont tous cousus. Mais on les coud. On coud nos tissus, finalement. Mais... C'est quand donc, même chouette. Vas-y, je remets le décor pendant ce temps. Alors, vous avez peut-être ou peut-être pas, pendant le quart d'heure de tracé de l'évasé, bah, en fait, moi, je vous ai tracé l'évasé. Donc ici, vous avez à ce niveau-ci l'évasé du devant que j'ai fait de 5 cm et que j'ai remonté de 1 et que j'ai arrondi exactement comme vous voyez dans l'extrait de cours qu'on vous a mis. Et j'ai évasé pareil le dos de la même valeur, ça c'est super important. Donc pareil ici, j'ai évasé de 5. J'ai tracé et comme je vous l'expliquais dans le cours, vous tracez. Alors c'est là que la grande règle est quand même utile. Hein, parce qu'en fait, vous tracez en repartant de votre évasé du bas et vous venez pivoter votre règle jusqu'à ce que ça longe votre couture, enfin votre courbe ici de la ligne entre la taille et les hanches sur le côté. Pour surtout rien changer sur la forme du côté. L'arrondi de l'ourlet du bas, ça je vous l'ai expliqué en détail dans l'extrait de cours que vous avez vu. Donc même si vous n'avez pas eu le temps de le tracer, pas de panique, vous le regarderez au calme et vous aurez le temps de faire ça. La suite du cours n'est absolument indépendante de cette partie du bas de la jupe. Alors je vais revenir sur le devant parce que le dos nous importera un peu plus tard. Et sur le devant, ça y est, on va s'attaquer au pli ce coup-ci. Donc on va aller rajouter le papier, donc le futur tissu, qui va s'insérer ici à chaque endroit des plis. Alors pour ça, en fait, on va aller tracer une grande ligne à l'aplomb de la pince ici qu'on avait. On va la prolonger et on va couper. Et on va insérer les fameuses bandes de papier qu'on vous a demandé de préparer pour qu'on ne perde pas de temps à aller couper du papier pendant le cours. Parce que déjà que... Donc là, je vous rappelle qu'on avait un certain écartement. Donc on va aller le reporter encore plus bas. Je vais reprendre ma ligne rouge. On va les reporter encore plus bas pour prolonger finalement la ligne. Donc c'est plus fiable de faire comme ça que de juste prolonger la ligne. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle est bien droit fil. Et un pli, c'est quand même mieux quand on est sûr qu'il est bien droit fil, il se place mieux. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas faire des plis autrement, mais voilà, pour les premiers plissés, c'est quand même toujours plus sûr. D'accord ? Et donc là, en fait, on va aller couper le long de cette ligne et on va même la prolonger plus haut parce qu'on va couper tout ça jusqu'en haut ici, et on va aller insérer nos bandes. Donc c'est parti pour une grande séance de découpe. Donc très précis, enfin le plus précis possible. Alors Marie, désolée, mais là je ne sais pas couper assise en étant... pendant que tu coupes, si tu veux, je te donne des propositions de noms de jupes qui sont toutes capable plus folles de couper, les noms. On a la jupe en baline. Ambline. Emballine. Emballine. Comme un emballage. D'accord. Pour préparer. Ben oui, c'est une très bonne idée. Oui, ça me fait penser à Ambline en plus, qui est un joli prénom. Donc oui, Ambline. On a Gabrielline pour Marie-Gabrielle, oui, et Christine. Ça va bien à Marie-Gabrielle. Qu'a-t-on d'autre ? Donc pendant ce temps-là, vous coupez hein, bien le long des deux lignes. Donc vous allez avoir des lambeaux de patron, soyez précis, prenez plus de temps que moi si vous n'avez pas l'habitude. Je sais que voilà, c'est aussi une question d'habitude. Et vous coupez vos deux lignes. Je peux répondre effectivement à une ou deux questions pendant ce temps-là aussi. Donc n'hésite alors, pas. Bah pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions, ça coupe. Ça coupe, hein. Bah oui, j'imagine qu'il faut bien que vous coupiez aussi. Donc, le clavier et les ciseaux ne sont pas tout à fait compatibles. Plusieurs d'entre vous demandent comment être au courant des masterclass. Bah, soit en nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la newsletter, bah oui, vous inscrivez. On en avait une très jolie en début de semaine avec tout oui. le programme. Tes réseaux, c'est Rêve à soi sur Instagram. Je crois qu'il n'y a oui. pas de tiret de...
Tout attaché. Et nous, c'est Artesane qui est en bas à Paris, parce que Artesane était déjà pris par un glacier brésilien. Donc, si vous voyez des glaces, c'est que vous n'êtes pas chez nous. Est-ce que tu as bien coupé? Ouais. Bon, j'ai été vite, hein, donc regardez pas les millimètres. Là, les élèves CAP vont dire « Ah, t'as vu, elle a laissé des millimètres ». Bah oui. Je leur fais un petit coucou du reste à toutes les élèves que... à qui je manque et qui me manque. On ne se voit plus, mais on va bientôt se revoir. Mais on sent votre présence. Voilà. Alors, les deux bandes de papier qu'on vous avait demandé de préparer arrivent justement à ce moment-là. Alors, attendez, je vais vous remettre le patron tel qu'il était. On avait donc... Marie doit te maudire en régie. Alors, Marie lève la main, pas si tu maudis Christine. Je fais place nette. Elle lève et, la main. Et ça va aller. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, je vais mettre ça par terre. Et voilà. Je vais vous, avant de mettre mes bandes, je vais vous remontrer le truc coupé en lambeaux là. Là, on va le remettre comme ça. D'accord. Donc là, il y avait les trucs. Ça ressemblait à ça au départ. Hein, et on a juste coupé les morceaux. Ok. Vous avez deux bandes de papier qu'on vous avait demandé de préparer, de la bonne longueur et d'une largeur suffisamment large pour que ça se passe bien. Mais en fait, on va aller les insérer. Entre chaque bout là, c'est-à-dire qu'on va aller mettre le début du patron comme ça. Alors vous ne trompez pas, hein. N'inversez pas les morceaux, mais gardez-les dans l'ordre. On va les insérer là et donc là on va aller mettre une valeur de pli. Mmh. Donc un pli en patronage, c'est génial, c'est juste un bout de papier qu'on rajoute. C'est aussi simple que ça. Et puis ben, on va faire la même chose de l'autre côté là. On va aller rajouter un bout de papier. Hop. Et remettre celui-là. On va aller attraper celui du dessous là. Hop. Ah, il résiste. Voilà, par-dessus. Ça va nous suivre. Marie. Marie, courage, c'est bientôt les vacances. Bonjour aux retardataires, on vous aime quand même. Et le replay sera. Voilà, mais là, le replay va devenir nécessaire. On est déjà en pleine charcuterie. Là, on a déjà complètement charcuté, effectivement, fait des saucissons de notre patron. Est-ce que vous voyez à peu près où je vous emmène là, hein? Donc, le premier morceau du patron, j'aurais pu les numéroter. Là, on avait un premier côté. Ah, l'effet des mots. Au moins, vous savez qu'on est en direct, hein, parce que ça, dans un vrai cours, on couperait. Un deuxième morceau, un troisième morceau. D'accord? Un, deux, trois. Et en fait, on est en train d'insérer un pli ici, un pli là. Alors, du coup, vous allez me dire, oui, alors j'insère combien? Parce que bon, c'est pas le tout. Alors, si on regarde à nouveau le dessin. J'ai caché par terre. C'est toujours un peu difficile d'estimer la largeur d'un pli, mais on peut se dire qu'un pli d'à peu près 3 cm, mince, j'ai pas gardé les tissus, c'est terrible. Tu en veux? Ouais, je veux bien. je vais faire tourner tout le monde en bourrique ce soir. Merci. Un pli de 3 cm de profondeur, donc 6 au total. Je vais peut-être le prendre dans le sens des rayures, hein, soyons fous. Donc 3 ça fait ça, 6 ça fait ça, voilà, un pli de 3 cm de profondeur, donc 6 en tout. Ça fait, je ne sais pas si on voit à la caméra, ça fait voilà, un pli à peu près correct. J'ai plus le retour caméra, donc ouais. C'est pas très grave. Je vais survivre, mais du coup, je ne sais pas si Marie arrive à voir. Voilà, ça fait à peu près ça. Donc, ça peut paraître un peu petit par rapport au pli que vous avez là, mais disons que après, si vous n'aimez pas forcément des gros plis, ça peut être un bon juste milieu. N'hésitez pas à mettre un pli éventuellement de 2x4 si vous trouvez que 2x3, ça va être un peu limite. Nous, on va commencer sur 2x3, ce sera suffisant. Alors, c'est 2x3 à la taille. Et là, attention, nous, il faut penser qu'en fait, on a quand même déjà une pince. C'est-à-dire qu'en fait, notre patron, ce n'est pas au ras de l'endroit où j'ai coupé qui se passe, puisqu'on veut former un peu la forme entre la taille et les hanches par ces pinces qu'on va garder. En fait, on va plisser sur la ligne rouge et ici, sur la ligne rouge. Donc, la largeur du pli qui va apparaître va être entre les deux lignes rouges et non pas entre les deux bords que vous avez coupés. Donc, finalement, ici, je vous rappelle, on avait au total une pince d'un centimètre et demi. Donc, j'ai déjà un centimètre et demi de pli qui viennent de la pince, en fait. J'ai perdu tout le monde, là, je sens. Non, elles disent qu'elles restent accrochées. Super, tout va bien. Donc, il y a déjà un centimètre et demi qui est lié à la pince. Et en fait, pour aller à 6 cm, du coup, qu'est-ce qui reste? 4 cm et demi de vrais plis.
Donc en fait, je vais rajouter que 4,5 cm. Pourquoi ? Parce que si je rajoute 6, ben, en fait, au final, je vais avoir 6 plus ma pince, donc 7,5 cm de pli. Et comme on a vu, 7,5 cm de pli, ça fait tout de suite un pli plus important. Encore une fois, c'est faisable. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir des gros plis. Par contre, si vous avez un tissu épais, évitez de faire des trop gros plis parce que ça va faire vraiment des surépaisseurs importantes. Donc voilà, de toute façon, on va prendre quand même un tissu pas trop trop épais comme on a dit tout à l'heure. Bien, donc on a dit, ça, on voulait un pli de 6, on a des pinces de 1,5. Donc évidemment, si vous n'avez pas des pinces de 1,5, bah, vous refaites le même calcul. Donc on avait 6, je vais prendre un feutre, 6. Je ne sais pas si je suis dans le champ de la caméra. Oui, donc 6, c'est le pli qu'on veut. La pince, elle fait 1,5 et donc j'élargis de 4,5. D'accord ? Et là, bah, comme j'ai la même valeur de pince sur les deux pinces, moi, bah, c'est le même raisonnement. Je veux un pli de 6, j'ai déjà 1,5 de pince et donc j'élargis de 4,5. Bien, donc... On nous demandait, mais c'était marqué effectivement, la largeur initiale des bandes, c'est 10 cm. C'était 10, comme ça vous étiez tranquille. Vous ayez de la place, voilà. Il ne faut pas partir des 10 cm pour faire le calcul. Ah non, c'est juste pour que ce soit... C'était pour voir large. Quand on fait des bandes comme ça, de toute façon, c'est jamais la bonne valeur. C'est plus large que la valeur pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, déjà, bah, par rapport à votre bande, le premier côté, vous allez juste le scotcher. Donc, comme je dis souvent, prenez plutôt des petits morceaux de scotch. Que si vous mettez une grande bande de scotch, ça va gondoler votre papier, surtout si vous êtes en papier de soie. Donc il suffit de mettre des petits morceaux. Vous voyez, je lisse bien mon papier et je mets des petits morceaux de scotch le long de ma bande. Voilà. Et vous voyez, le recouvrement est à peu près de 2 cm de ce côté-là. Comme ça, vous êtes bien au milieu de votre bande et vous n'avez plus de soucis. Donc ça, c'est le plus facile. C'est le premier côté. On n'a rien fait de spécial à part scotcher. Oh, vous allez voir qu'en modélisme, on est souvent un peu comme à l'école maternelle, on scotche. Apparemment, elles poussent tout, elles sont sur le sol. Oui, c'est ça, le problème, c'est qu'en modélisme, surtout que là, on a une jupe très longue, donc là, il faut de la place. Alors, on a dit qu'on rajoutait 4,5 cm. Donc, en fait, sur chacune des lignes caractéristiques, donc là où à la taille, vous mettez un petit point à 4,5. Alors, oui, si je recommence avec mes tracés, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur violet ? Allez, violet, c'est parti, 4,5. Ici, sur la ligne de hanche, que je rappelle, c'est toujours bien d'avoir vos lignes de repère. Donc la ligne de hanche pour la jupe et la ligne d'ourlet. Si on était sur le buste, il faudrait la ligne de poitrine, la ligne de carrure. Toutes ces lignes-là que vous avez dans les tracés des patrons de base, on les supprime pas. Au contraire, on les recopie aussi. C'est toujours des lignes qui servent dans les transformations. Donc 4,5 partout, y compris à l'ourlet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va nous faire des repères pour aller placer cette bande. Ok, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que rien ne me dit à quelle hauteur je la mets comme ça. Or, il faut bien la mettre à l'aplomb. Donc, on va aussi prolonger les lignes elles-mêmes pour pouvoir avoir des repères. Alors, vous n'êtes pas obligé de les prolonger toutes. Hein. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez en prolonger qu'une, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir des repères pour s'assurer que le papier n'a pas gondolé. Voilà. Bon, la taille n'étant pas droite, je ne prolonge pas la ligne de taille, j'ai juste un repère. Et puis bah, après, du coup, je vais juste aller scotcher mon deuxième morceau, hein, mon numéro 2, là, le long. Vous pouvez aussi tracer la ligne, hein, si vous le souhaitez, la ligne verticale, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que tu peux ralentir un peu ? Je crois qu'on perd Marie. On a perdu Marie, je recommence. Est-ce qu'on recommence, Marie ? Non, juste. Avant, j'ai eu un bug sur le truc. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. Alors, donc, j'ai élargi chacune de mes lignes de 4,5. J'ai prolongé mes lignes parce que si je ne prolonge pas mes lignes, rien ne me dit que je suis à la bonne hauteur pour aller placer mon morceau. Et quand je suis avec bien mes repères horizontaux là, et mes petites tiques qui me disent à quel niveau je dois placer ma bande numéro 2, eh bien, je viens la scotcher. Alors, je vous conseille de déjà mettre vos petits morceaux de scotch là, à l'aplomb, là, sur les croix qui se forment, là. Comme ça, après, ça ne bouge plus. Voilà, parce que le papier, forcément, ça bouge quand même un peu. Écoute, ça permet à tout le monde de souffler. Tu veux scotcher avec moi ? Tiens, scotch avec moi. Je veux mettre un petit bout de scotch. Voilà, mets des petits bouts de scotch. Ça
colle. Ah, bah voilà. J'ai collé le scotch. T'as collé le scotch, mais vas-y, n'hésite pas. J'en profite, parce qu'en plus, c'est une question qui revient et sur laquelle on se concerne en ce moment. Mais j'ai lu quelque part que le logiciel gratuit Valentina permettait de construire des patrons en fonction des règles d'EP Studio. Pouvez-vous confirmer ? Ah bah, si vous l'avez lu, c'est que vous avez dû regarder une de mes stories de ces derniers jours, parce que j'ai un clone qui se soit décidé au même moment que moi à utiliser Valentina pour faire les mêmes patrons avec la même méthode. Bon, je pense qu'on n'est quand même pas si nombreux que ça. Vous scotchez le deuxième côté pendant ce temps-là. Donc oui, Valentina est un logiciel open source, donc gratuit, qui permet de tracer des patrons. Et effectivement, j'ai mis à profit, je crois qu'on a tous coaché, j'ai mis à profit cette petite période d'interlude de cours présentiel pour reprendre la méthode d'EP Studio et voir comment on pouvait utiliser Valentina pour tracer les patrons de base. Donc c'est une solution. Et je crois que vous êtes nombreuses à être intéressées par un cours Valentina. Et donc, nous avons à l'étude... Confirmez-le-nous ou infirmez, voilà. C'est le nous moment avons de à l'étude l'idée de faire effectivement un cours sur cette thématique-là. Mais je sais que déjà, dans le cours de transformation de patron, il y avait déjà eu un certain nombre de personnes demandes. Qui avaient fait de la demande. Le distributeur de scotch a l'air bien pratique, j'ai toujours un problème avec ça. Il y a un moment, j'adore faire les articles. Là, vous prenez un distributeur de scotch bien lesté, là, et je peux vous dire que vous allez gagner un temps fou. Donc oui, je vous conseille ça pour si vous allez faire vers du modélisme un peu plus poussé. Alors, collage du troisième morceau, pareil, 4,5 cm dans mon cas. Toujours le même calcul, là je reprends mon calcul, mais ce coup-ci c'est avec la première pince. Donc on reprend le calcul. 6 × 1,5, parce que moi ma première pince fait aussi 1,5, vous pouvez avoir une largeur de pince différente dans ce cas-là. Et donc moi c'est aussi 4,5, mais encore une fois, vous, ça peut être différent. Donc je remets encore mes petits points à 4,5 tout en prolongeant tout de suite mes lignes, parce que vous avez compris le principe, et qu'on ne va pas non plus prolonger le plaisir d'être ensemble. Au point de pas accélérer le mouvement quand c'est facile. Alors, on a encore des propositions de noms de jupes, dont une certaine Marie-Ange Montalti, dont ressemblance avec la réalisatrice serait fortuite. Ouais. Elle propose tout simplement Marie-Ange, en toute humilité. En toute humilité, écoute, Marie-Ange, pourquoi pas tu me payes combien pour... Enfin, c'est même pas moi la créatrice, en l'occurrence, c'est Marie-Gabrielle. Écoute, nous en discuterons avec Marie-Gabrielle demain. Bon, bref, vous scotchez le dernier côté comme ça. Tiens, je veux jouer au jeu du scotch. Je fais une assistante scotchage. Voilà. Non, c'est le long de la ligne rouge, là. Voilà. Hop là. Allez, encore un petit dernier, là, au milieu. Et c'est parti. Youp là. Je vous présente vos plis. Donc, on est d'accord que ça se plierait. Alors, qu'on suive le dessin. Oui, en fait, on plie vers le centre, comme ça. D'accord ? Donc, ça sera plié dans ce sens-là. D'accord ? Je crois qu'on s'est tout dit sur les plis, sur des boucles. Parce que quand on est en direct, on oublie des trucs. Alors, du coup, oui, c'est ça. Eh bien, on va passer à la taille haute de notre modèle, à moins qu'il y ait une question tellement... c'est l'horreur, je m'en sors pas, qu'il faille que je... Non, tout va bien. Les gens disent que le rouge fonctionne mieux que les autres couleurs. Effectivement, mais il faut quand même qu'on différencie pour que vous voyez et vous pouvez, en revisionnant, prendre le temps de regarder. Alors, je vais continuer en rouge. Allons-y pour continuer en rouge. Alors, j'ai écrit à l'endroit où on va aller un peu dessiner, donc vous aurez mes calculs au milieu du game. C'est pas forcément très grave. Ça fait tout le charme. Oui, et puis c'est du feutre friction. Donc, en fait, si je voulais, je passerais un coup de fer et on n'y verrait plus rien. C'est parti pour une petite réflexion sur la taille. Alors, c'est toujours un petit peu une petite analyse à réfléchir, tout simplement. Une jupe, en fait, il faut toujours bien comprendre que par rapport à la ligne de taille, qui est finalement ce qui se pose sur les hanches, la ceinture est au-dessus. Donc, il y a l'os des hanches, là. Logique. Et la ceinture se pose au-dessus. Donc, l'os des hanches de la petite dame est là, juste sous la ceinture. Là, vraiment juste là.
et la ceinture se place au-dessus et les plis se placent encore au-dessus. On est sur une jupe taille haute, donc on voit quand même que ça monte assez haut, c'est-à-dire qu'entre la ligne de taille et le dessous de bras de la petite dame qui font en général 25 cm à peu près, hein, pour une stature assez classique. Bon, bah là, on a bien 10 cm, hein, si on mesure de là à là. Voilà, là, moi, je suis un peu descendue, donc ça fait 20. Donc là, on est sur une dizaine de centimètres à peu près. Encore une fois, tant qu'on n'a pas fait un essai en toile, je peux que vous donner des valeurs, mais c'est pour vous donner une petite idée de comment on décrypte ça pour essayer de traduire ça en centimètres. Donc si je devais, si je devais vous conseiller, vous metteriez une ceinture quand même assez imposante, parce que en fait, une ceinture de base de jupe, c'est 2,5 cm ou 3 cm. Donc, vous voyez, ça fait ça. Enfin, vous voyez rien du tout parce que vous n'êtes pas à l'échelle, mais prenez votre réglet et vous mettez vos deux ongles là entre 0 et 3 et vous voyez la distance que ça fait. C'est une petite ceinture, on est d'accord. Hein. Bon, c'est un peu, là, on veut une ceinture plus large que ça. Si on mettait 4, ça commencerait à être un peu mieux, mais ça commence, c'est encore un chouï petit, ouais, moi, je trouve. Hein. Et donc, on va carrément aller à 5, quoi. Bon, si vous trouvez ça un peu trop, allez, 4,5 et ça ira bien. Nous, on va tracer 5 et puis vous n'hésitez pas. Voilà, donc 5. Et en fait, du coup, les plis, on va carrément les faire dépasser d'autant, donc 10 au total. Donc, par rapport à la ligne de taille de votre jupe, on va monter de 10. Il y en a 5 qui seront sous la ceinture et 5 qui vont dépasser. Comme ça, on a un bel effet paper bag qui se dépasse bien de la ceinture. Et puis, bah, si le premier modèle, vous trouvez que ça dépasse trop, bah, vous redescendrez à 4 au lieu de 5, donc 8 au total. On n'en a pas beaucoup parlé, on en reparlera si on fait un cours d'assemblage ou même en fin de... Mais là, encore une fois, c'est pour vous, donc vous allez faire une toile. Exactement, c'est mieux. Et même si ce n'était pas pour vous, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un fonctionnement industriel, vous allez pouvoir faire vos ajustements. Oui, après, c'est une toile plus d'effet de style, pour que vous voyez le style et pour éviter d'utiliser tout de suite du tissu. On est d'accord, ce n'est pas une toile d'essayage, vous êtes censé avoir une jupe de base qui vous va, et donc les transformations font que... J'ai souvent la question, oui, mais alors, est-ce que je suis obligée de faire un essayage pour voir si ça me va au niveau mensuration? Ben non, normalement, vous partez d'une jupe qui vous va, donc toute transformation, si elle est faite entre guillemets dans les règles de l'art, si, voilà, elle si doit vous continuer restez, à vous aller normalement. Vous allez. Voilà, si vous n'avez pas oublié que vous devez rentrer dedans, ce genre de truc. Donc on a dit 10 au-dessus de la taille. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait au-dessus de la taille? Au-dessus de chacune des pinces ici, en fait, on va aller prolonger à l'aplomb de 10. Et en fait, le pli, comme je vous ai expliqué, autant là, il se limite à 4,5, mais sur la partie haute, il va vraiment plisser de 6, c'est-à-dire entre les deux pointes rouges, là, et non pas entre les deux bords du papier. Donc, c'est les deux pointes rouges que je prolonge à la verticale, donc dans le sens du droit fil. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de la taille, bah, en fait, vous avez une zone qui est quand même assez plate, en tout cas au moins sur la zone de ceinture. Après, il faudrait presque évaser, parce qu'après, vous partez carrément dans le sablier de la cage thoracique, quoi. D'accord. On va voir qu'on va le gérer un peu juste sur le côté. Donc, voilà. Après, suivant les morphologies, ça peut... Voilà. Donc là, on prolonge tout droit. Et c'est là qu'il y aura peut-être des petits ajustements à la toile. Alors, moi, je le fais à l'œil, hein, mais n'hésitez pas à vous mettre perpendiculaire à la ligne de hanche, par exemple. Et on met des repères à 10. Et on va faire ça sur toutes les lignes rouges. Alors, on va le faire de ce côté-là pour que je vois bien l'aplomb. Voilà. Oups là, mon stylo est un peu large. Donc, bien droit fil, hein. Ah. Bon, alors, attends, mon feutre rouge est en train de rendre l'âme. Il faut que je le prenne sur le côté. C'est tout l'art du direct. J'adore les essais. Est-ce que tu veux qu'on essaye de te trouver un feutre rouge? Non, ça va aller. Je vais juste penser à l'utiliser sur le côté. Voilà. Super. Bien. Alors, en ce qui concerne le côté ici, on aurait tendance à se dire, ben, je vais partir tout droit, mais comme justement on commence à attaquer, c'est une taille haute, donc on a un peu le côté sablier de la cage thoracique, c'est-à-dire le fait qu'elle part quand même un petit peu en diagonale. Donc au lieu de partir tout droit, enfin on va déjà partir tout droit. Alors comme là il y a les vasés, je suis incapable de tracer un droit fil, même si j'ai l'habitude. Donc vous vous mettez bien perpendiculaire à votre ligne de hanche. Vous voyez, je mets l'équerre le long de la ligne de hanche là. Et à l'aplomb du point de côté ici, hop, vous partez tout droit. Déjà pour commencer, on va se mettre notre repère à 10. Et on va évaser, selon la méthode d'EP Studio, ça fait 0,8 ici. Alors pourquoi 0,8? Parce qu'en fait, c'est un cintrage de 2 cm sur 25. D'accord. D'accord.
Donc, sur 10 cm, ça fait à peu près 0,8 de cintrage. Vous faites une règle c'est de 3. C'est une règle de 3. Voilà, c'est juste ça. Si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes avec la règle de 3, un petit tableau. Voilà. C'est-à-dire que là, si on prolongeait pour aller à 25, il faudrait qu'on ait 2 au total d'écart. Et donc, si on s'arrête à 10 sur 25, et ben voilà, on tombe à peu près sur cette valeur-là que j'ai légèrement arrondie pour simplifier. Donc 0,8 sur le côté, et du coup, ça vous fait un très léger effet sablier comme ça. Hop là, voilà. Et par contre, j'ai oublié de prolonger le milieu devant de 10 aussi, pareil, comme ça, on aura tout le monde. D'accord ? Voilà, voilà. Et du coup, on va pouvoir, je crois que c'est là qu'on s'arrête à les tracer pour cette partie-là, j'ai perdu mes notes. Hop là. Oui, c'est ça. Alors là, on ne va pas se prendre trop la tête sur l'arrondi de la ligne de taille comme on avait fait sur la jupe de base, parce que tout ça, c'est caché dans les plis. Donc c'est simple, on va se faire une ligne toute droite qui relie tout ce monde-là. Ce n'est pas la peine de s'embêter avec ça, même s'il y a des petits millimètres en plus en moins pris dans les plis, on n'y verra pas grand-chose. Alors, il y a jusque là, vous pouvez me dire, oui, mais j'arrive pas tout à fait à angle droit de ma couture de côté. Donc oui, c'est vrai, on peut, si on est puriste, prendre son pistolet et venir un tout petit peu se mettre à angle droit ici, c'est-à-dire faire le même principe qu'en bas, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire arriver à angle droit là et faire un petit démarrage ici, perpendiculaire, en descendant un tout petit peu le côté. Bon, voilà, c'est vraiment si on est puriste. Bien, le devant, en fait, avec ça, il est fini pour cette partie-là. Parce que, en fait, ici, donc, on va avoir la ceinture va aller se placer là, hein, ici. Et donc, la partie basse, les plis sont libres, ici, hein, enfin, pardon, ici et là. Et là, en fait, les plis sont fermés à ce niveau-là et à ce niveau-là. D'accord ? Alors, ça, c'était pour le ça devant. Ça commence à prendre forme. Hein. C'est ça. Tout à fait. Alors, n'oubliez jamais que... Gardez bien en tête ce qu'on a fait dans le devant, parce qu'en fait, le dos, il va y avoir des tas de choses communes. Alors, il y a des tas de choses communes. Bah, tout simplement, si on a rehaussé la taille du devant, bah, on rehausse la taille du dos de la même valeur. Hein. Et là, on ne change rien. C'est-à-dire que ce qu'on fait vers le bas pour l'ourlet, on fait la même chose vers le haut. C'est-à-dire qu'on prend exactement les mêmes valeurs. Sur le côté, c'est... façon, soit vous le faites par symétrie parce que c'est exactement la même forme, soit vous avez le même principe de tracé. Vous vous mettez perpendiculaire, vous mettez bien au point sur le côté. Tu me dis, Anne-Sara, si c'est l'horreur et si personne ne suit. Hein. Oui, mais justement, à part la règle de 3... où j'ai perdu tout le monde. Où je ne sais pas, non. À 22h, 23h, je ne sais même pas quelle heure il est. C'est sûr que j'ai peut-être un peu... visé. Non, on a plus des questions sur tes outils, tes retours sur Valentina, voilà. Des gentils compliments sur mes boucles d'oreilles. J'adore tes boucles d'oreilles. Donc, pardon, avant que je perde tout le monde, ici 0,8, pareil, donc j'ai remonté de 10 cm tout droit, j'ai sorti de 0, les mêmes valeurs que dans le dos. On est sur la même logique. Et j'ai oublié de le faire sur le devant, donc j'en profite du dos pour vous le montrer. Ici, bien évidemment, on ne garde pas cet angle-là. Tout ça se saurait si on avait un angle marqué à ce point-là. On vient juste, vous voyez, mettre le pistolet pour l'adoucir un petit peu, ce que j'appelle casser l'angle. Donc juste de 2 mm, vous faites un petit arrondi comme ça. On se met là le long, ici le long, le pistolet bien vertical, de préférence la crosse en bas, et parce qu'ici on est plat, et on longe, voilà. Vous ne prenez pas trop la tête par rapport à ça. Ici, il y a le pli du dos qui apparaît, bien vertical. Alors pareil, là, je vais être un fichu de faire un droit fil garanti. Donc on va bien se mettre perpendiculaire. Donc pareil, vos points rouges de votre pince transformée, si vous l'avez transformée, vous les prolongez. Vous mettez un repère à 10. Et de même ici. Donc exactement comme ce qu'on a fait sur le devant. Hein. Voilà. On ferme tout droit. Alors, si vous avez une taille très cambrée, ça peut nécessiter un petit arrondi au pistolet, le même que là, finalement, qui est translaté vers le haut. Et puis là, pareil, la toute petite rectification. Là, on a l'impression que ça va tout seul. Pour arriver perpendiculaire, là. On est pas mal. On est pas mal.
Alors, vous remarquerez qu'en fait, par rapport au dessin de Marie-Gabrielle, je suis obligée de garder une pince ici. Ça, c'est souvent une histoire de technique entre le patron et le dessin. Donc, vous allez avoir une pince quand même visible là, parce que de toute façon, cette pince, il faut qu'elle soit quelque part. Donc, elle est forcément visible quelque part. Après, vous pouvez tout à fait faire le même principe de tracé, c'est-à-dire avoir le pli jusqu'en bas, hein, si vous le souhaitez. Là, on a donc un petit pli dans le dos qui est lié à cette pince-là et qui apparaît ici. Donc, on n'ajoute pas de bande de papier pour les plis dos. Non, c'est pour ça que je n'avais pas fait faire de bande de papier. Vous pouvez, encore une fois, les faire dans le dos de la même manière que dans le devant. Hein. C'était un choix plus de confort, encore une fois, pour ne pas avoir les plis sur lesquels on s'assied et qui ne ressemblent plus à rien au bout de... Mais si vous avez un tissu qui plisse bien et qui ne se froisse pas trop, n'hésitez pas. Je crois que je suis bon pour cette étape-là. Avant qu'on passe aux pièces de finition, à savoir ceinture, parementure, est-ce qu'il y a des petites questions? Alors, il y a une question sur la provenance de ton équerre. Est-ce qu'on la trouve chez Rascol? Alors, chez Rascol, j'en sais rien, malheureusement. Moi, tout ce qui est équerre, réglet, pistolet, sans vous la faire de pub, ça vient de chez Rougier et Play. Moi, je me fournis chez Rougier et Play. Donc, équerre, pistolet, je conseille cette marque qui s'appelle Graphoplex. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Et puis, j'aime bien les réglets métalliques, mais c'est vrai qu'une règle japonaise marche aussi très bien, quoi. C'est juste que les miennes, elles étaient restées à Anthony ce soir et que j'ai fait « Ah, bon, bah, tant pis, ce sera réglé !» Voilà. On nous demande des conseils pour de la toile. Alors, effectivement, on m'a dit que j'avais cité Baumul, qui est le tissu toile de chez Ikea, oui, qui est facile à trouver. Euros, voilà. Voilà. On nous dit « Et pour de la maille ?» Alors. Et pour de la maille, là, oui, on n'est pas du tout sur un modèle maille. Là, on oublie complètement, là. Oui, après, pour la toile sur la maille. Peut-être en Milano, à la limite, pas trop épais. Milano, ça pourrait même être marron. Ça pourrait être assez rigolo, ouais. Pas trop épais, quand même, le Milano. Non. Ça peut se tenter, mais à part du Milano, je ne vois pas. Hein. En maille, on va oublier. Voilà, le Milano étant une maille très peu extensible et qui a quand même un tombé assez proche d'un chêne et trame de poids moyen. Alors, qu'est-ce que j'ai pu oublier de te demander? On nous dit, et la toile n'aura pas le même effet de tombée. Ben non, mais non. L'idée, c'est plus de faire des ajustements stylistiques, encore une fois. C'est donc, ça, position des plis, hauteur de... Voilà, tout ce qu'on a dit qu'on pouvait faire varier, donc la position latérale des plis, la hauteur du paper bag, la hauteur de la ceinture, éventuellement la position des boutons vers le centre du devant qu'on va voir juste après, là. Voilà, ce genre de choses, l'évaser quand même du bas pour se rendre compte quand même un peu de l'envergure de la jupe. Et pareil, l'envergure de la jupe, là, j'ai pris arbitrairement un 5 cm sur le côté. N'hésitez pas à mesurer globalement tout l'ourlet de la jupe, ce que ça donne. Hein. Vous mesurez tout le bas là, du dos plus devant, fois 2. Et puis vous comparez à une jupe que vous aimez bien de votre garde-robe. On y revient toujours. Si l'évasé vous va bien, gardez-en qui vous convient. Quoi. Alors, pourquoi un feu de friction dont j'ai découvert le nom dans le matériel à préparer? Donc, tu fais un bon point sur le feu de friction. Friction dans 1001 Technique 4. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi un feu de friction là? Alors, pourquoi un feu de friction là? C'est que si vous ne tracez pas au crayon de papier, l'avantage du feu de friction, là, j'ai pas de fer à repasser, donc je ne peux pas vous le montrer, mais un feu de friction, en fait, vous donnez un coup de fer et ça c'est de l'encre, hein, ce qu'on appelle sympathique, c'est-à-dire ça disparaît. Donc, imaginez que vous traciez au feutre friction, puis votre réglet a ripé ou quoi que ce soit. Plutôt que d'avoir une grosse rature sur votre patron, vous sortez votre fer à repasser, vous donnez un coup de fer, c'est fini. Donc là, typiquement, les petites écritures que j'avais sur le patron du devant, là, quand j'ai fait mes calculs, comme je les ai fait au feutre friction, tout le reste est au feutre normal. Donc, il suffit que je donne un coup de fer et j'aurai plus mes calculs. Et donc, j'aurai un vrai patron utilisable plutôt qu'avoir un truc avec un gribouillis de calculs au milieu. Quoi. Donc oui, voilà. Après, c'est un outil comme un autre. Ça va, voilà. Vous pourriez faire un crayon à papier. Exactement. Les 10 cm se rajoutent-ils sur le côté ou sur le milieu, dos ou devant? Les 10 cm. Oui, je pense que c'est les... Les bandes? Les bandes. C'est la seule chose que je vois des 10 cm. Oui. Alors les bandes, en fait, elles faisaient 10, mais on les a insérées. Oui, elles faisaient 10 pour être au large. Mais on les a insérées. Au final, on n'a mis que 4,5 dans le choix que j'ai fait. Comment place-t-on le zip et où?
Alors, le zip milieu dos, hein, donc ici. Donc, il n'y a pas le choix. Et comment on le place? Alors, c'est pas vraiment comment on le place, c'est jusqu'où on va. Donc, il ne faut pas oublier qu'une jupe, bah, là où vous êtes le plus large, c'est les hanches. Donc, c'est simple, le zip. Quoi qu'il arrive, et quelle que soit la hauteur de taille que vous avez rajoutée, il doit aller jusque-là, quoi qu'il arrive. Donc, n'allez pas m'en mettre un de 20 parce qu'il va s'arrêter là. Parce que le problème, c'est que là, vous n'allez pas rentrer dans la jupe. C'est si simple que ça. Ça ne passera pas et ça ne viendra pas de vous. Hein. Voilà, ça vient. Donc, quoi qu'il arrive, le cran de bas de zip, il ne change jamais. Il est là. D'accord? Et donc là, en fait, pour cette jupe-là, vous allez avoir besoin d'un zip. Alors moi, dans mon cas, 28 cm. Bon, bien évidemment, vous en prenez un de 30 et vous le raccourcissez. Hein. Ou vous en posez un sur 30 et puis personne... Si c'est un invisible, personne ne verra qu'il s'arrête à 30 au lieu de 28. Voilà. Donc toujours, au moins, jusqu'à la ligne de hanche. Je vous conseille un zip invisible, ça sera plus sympa. Oui, ça sera. Parce que vous avez déjà beaucoup d'informations visuellement, donc avec les plis. Est-il possible de revenir sur le devenir des pinces du devant? Elles disparaissent dans les bandes de plis? Oui, en fait, elles disparaissent au plissé. Alors, je vais faire un peu le plissé de papier, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez aller... hop là. Alors, on va juste scotcher la partie haute qu'on a rajoutée après. Quand vous allez aller plisser la partie, cette partie-là, là, hop. Donc là, lorsque vous allez aller assembler votre modèle, vous allez plisser la ligne rouge. Excuse-moi Marie, mais là, je suis obligée d'être debout. La ligne rouge sur la ligne rouge, et ça va être tenu ici par la ceinture, ici, là. On va mettre une épingle pour simuler la ceinture pour le moment. D'accord? Et puis pareil ici, alors c'est pour ça que j'aime bien aussi le papier de soie, c'est que vous pouvez, un petit coucou à Sandrine si elle me regarde, vous pouvez vous habiller avec. J'ai une élève qui adore quand, pendant mes cours, je m'habille avec les patrons pour expliquer ce que ça veut dire. Elle me chambre à chaque fois. Voilà, donc vous avez vos plis comme ça là, d'accord, tenus ici par la ceinture. Et voyez en fait mécaniquement, les plis vont aller se placer pour ici épouser la forme de la pince et du coup créer l'évasé en bas. D'accord. Et du coup, c'est ça qui fait que bah, en fait, les pinces sont portées dans l'intérieur des plis. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Si, c'est clair. Voilà, je pense que c'est visuel en tout cas. OK? Donc, c'est par le fait qu'ils sont accrochés au niveau de la ceinture, en fait, hein, les plis. Hop là. Encore une fois, je suis sûre que c'est... Enfin, moi, de toute façon, le modélisme, je le conçois toujours d'une seule et unique manière. C'est vous faites un patron, mais si vous ne réalisez pas le modèle, au moins en toile derrière, vous êtes à plat, alors que c'est un modèle qui vit en trois dimensions. Donc, il faut, pour bien le voir, il faut le faire en 3D à un moment donné. Le papier n'a que des limites au bout d'un moment. Oui, est-ce que... on a une autre question sur les pinces, j'essaye de la comprendre. Je ne comprends pas ce que deviennent les pinces. Doit-on les tracer en miroir par rapport à la ligne de taille? Ah non. Les pinces, vous avez une grosse différence, oui. Un gros arrondi entre la taille et les hanches. Donc c'est normal qu'elles soient en triangle, hein, comme on les avait au départ. Par contre, sur la partie haute, si on devait faire des pinces, on les ferait en fait très légèrement remontant pareil. Il me semble que je traite de la taille haute, de la transformation taille haute. Il y a vraiment les pinces piquées aussi sur la partie haute dans le cours. Mais là, comme elles s'ouvrent avec cet effet paperback plié, on ne s'embête pas avec ça. On trace tout droit et ça marche très, très bien. Ce qui donne un petit peu d'aisance aux plis sur la partie haute. Ça les fait un peu plus large. Décidément, ces pinces. Sur le dos, la pince reste une pince ou c'est un pli? Sur le dos, alors la pince est une pince et un pli. Ça dépend à quel niveau vous en parlez. C'est-à-dire qu'ici, c'est une pince. Ici, ça va rester piqué parce que je pense que sous la ceinture, on gagnera à la laisser piquer. Et sur la partie haute, en fait, elle sera ouverte en pli. C'est-à-dire de là à là, en fait, ce sera un pli. Elle ne sera pas piquée. Regarde si on a donc là, en fait, c'est ce qui vient après, c'est le placement de la ceinture où vous allez mieux voir la zone qui va être piquée et la zone qui ne va pas être piquée. Oui, bah justement, on nous demande s'il faut faire des surpiqûres pour les plis. Oui, il va falloir les piquer pour qu'ils tiennent. En fait, on va aller les piquer volontairement au niveau de la ceinture. Et c'est pour ça qu'il y a un zip milieu dos et qu'en fait, devant, c'est que décoratif. C'est que du coup, grâce à ça, on va pouvoir piquer les plis et on va pouvoir les tenir et faire en sorte que même après lavage, ils restent en place, quoi.
Donc ici, en fait, je vais traiter tout de suite parce qu'il y a trop de questions sur le sujet. De là à là, ici, là, sur la hauteur de la ceinture, ça sera piqué. Et là aussi, sur la hauteur de ceinture, ça va être piqué. Donc en fait, votre assemblage va être piqué là, sur la hauteur de ceinture et là. Et là, pareil, ça va être piqué ici aussi. Je sens la masterclass assemblage qui nous pend. Oui, je pense quand même. Est-ce qu'on a d'autres questions philosophiques? Alors ça, on l'a traité. J'avance peut-être sur la ceinture et puis on traitera et je montrerai les autres questions. Alors, j'ai pas de jupe paper bag, mais j'ai un pantalon paper bag que ma fille m'a gentiment prêté puisque je lui en ai fait un il y a quelques mois. Elle te l'a prêté ou tu lui as piqué? Ah non, elle m'a même fait penser à l'emporter ce soir. Je la remercie parce que tu vois, elle m'a même dit où c'était dans sa garde-robe, donc il n'y a aucun souci. Et donc je vous montrerai, même si là pour le coup les pinces sont piquées, c'est-à-dire c'est un peu la configuration du dos. Mais je vous montrerai ce que ça donne. Alors, la ceinture. La ceinture, justement, il va bien falloir comprendre qu'à ce niveau-ci, c'est plié comme ça. Donc, en fait, la ceinture, elle va couvrir cette zone-là. Et comme c'est plié, elle va continuer là. D'accord? Et en fait, si on regarde bien, elle s'arrête ici. Je vous explique sur le dessin. Elle va rester pliée. Hop là. Et avec ma ceinture, elle va juste avoir son arrondi au-delà du dernier pli, là. C'est-à-dire au-delà, là, juste là, l'arrondi se place là, ici. Arrondi, arrondi, premier pli, deuxième pli, d'accord? Et la ceinture, elle vient comme ça, d'accord? Donc, il faut vraiment la visualiser pli fermé pour bien voir la forme que ça a. Et on va juste lui donner un tout petit ajustement pour tenir compte de l'épaisseur du tissu, puisqu'elle passe par-dessus tous ces plis de tissu et que donc du coup, forcément, sinon vous risquez d'avoir un truc qui vous rentre dans le ventre parce qu'il va manquer un peu d'aisance si vous faites ça. Donc, le mieux, c'est justement de rester plis fermés comme ça, si vous êtes à l'aise, ou de bien visualiser les morceaux. Mais nous, on va le tracer plis fermés pour ce soir, même si c'est pas forcément... Il faudrait calquer, en fait, pour le faire. Mais là, ce soir, on n'a pas forcément... On pourrait faire un calque et plier. Mais on serait là, on serait encore là. À 2h du matin, vous nous rediriez. Anne-Sara va s'endormir avec sa tisane nuit tranquille qu'elle s'est préparée. C'est vrai, j'ai pris. Je balance ce soir, je balance. Orange, fleur d'oranger, mais j'avais envie de fleur d'oranger. Mais tu as raison, c'est super bon. Mais je te suis bien là encore. Voilà, donc on serait dans cette configuration-là, d'accord? Alors, en pliant calmement notre papier. Voilà, donc, pliez bien le long de vos pinces, là. Voilà, ici, ok. Ici, pas le long de vos pinces, n'importe quoi, le long de vos plis ici, pardon. Tenez pas compte des pinces pour la ceinture, là, c'est le long des plis ici. Donc là, forcément... Donc, vous mettez bien ligne rouge sur ligne rouge de la partie haute. Et là, en fait, on va aller se mettre nos repères. Donc, on a dit que la ceinture, elle était à 5 ici. Donc, je me mets des petits repères à 5. D'accord? Ici, sur la verticale, pareil, à 5. Alors, évidemment, là, ça va remonter très légèrement. Donc, on va aller se faire un petit truc pour le moment arrondi. Donc, la crosse du pistolet un peu sur le côté, là, comme ça. Et ça va vous faire la forme que vous espérez avoir. Hop. Et puis là, on a donc notre petit arrondi, là, qui est juste un petit arc de cercle. Alors, j'ai pas pris mon pistolet arrondi, on peut sans doute l'avoir par là. Hop là, excusez-moi. Hop, voilà. Sinon, il y a des plus petits pistolets qui permettent de faire ce genre de tracé. Ouais, alors, souvent, ils sont vendus par 3. Donc, vous faites comme vous démarrez comme ça, puis surtout, vous retournez le pistolet pour avoir quelque chose d'un peu symétrique de l'autre côté, histoire que ça fasse bien une demi-lune, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a l'impression qu'on a quand même quelque chose qui est à peu près ce qu'on veut. Là, pareil, on irait rejoindre nos morceaux. Donc là, évidemment, on irait calquer ça, Anne-Sara. Hein. On ne va pas la laisser comme ça. Là, ce soir, je ne vais pas faire le calque, mais on irait calquer ça pour avoir les pièces. Oui, comme ça, vous auriez vos pièces propres. Tout à fait. Et puis là, on va juste élargir le côté. Alors, selon les tissus, c'est là que l'épaisseur du tissu entre en ligne de compte. Et c'est souvent là, en fait, moi, s'il y a un seul endroit où je dois vous conseiller de faire un bout de toile, c'est vous faites à la limite tout le modèle dans votre tissu. Et juste la ceinture, vous la faites en toile pour ajuster justement les petits millimètres qu'on va rajouter en plus sur l'aisance nécessaire par rapport à l'épaisseur des plis.
Donc là, moi, je conseille quand même, il y a quand même deux plis, 5-6 mm, ça peut être nécessaire hein, quand même. Donc là, on rajoute 5 mm ici. On prolonge de 5, là. Voilà. Donc ça, c'est la ceinture devant. On va voir que ce n'est pas tout à fait fini. On a la ceinture du dos à les faire dans le même principe. Alors, pourquoi ce n'est pas fini? Parce que là, il va se passer un truc avec l'assemblage avec le dos. Je vais laisser comme ça. Je vais juste essayer de ne pas épingler mon patron du dos pour pouvoir séparer les deux. Je vous mets ça par terre le temps que je vous montre la ceinture du dos et on y revient juste après. Alors, dos, même principe, hein. Mais ce coup-ci, je ne vous plie pas le pli, mais vous aurez compris que c'est plié. Donc, ma ceinture, elle va démarrer là, à 5 cm. D'accord? Elle va s'arrêter au bord du pli à 5 cm. Donc, son premier morceau de ceinture à gauche du pli, il est là. Mm-hmm. Je ne vous le trace pas là, puisque justement, il n'y a pas de ceinture là, puisque c'est plissé de là jusque là. Si j'ai perdu tout le monde, tu me dis, et puis je plierai, je plierai mes morceaux de papier. Voilà, ma ceinture, elle continue là. Et là, pareil, je vais aller élargir de 5 mm pour donner un petit peu. Alors, peut-être un peu moins parce que j'ai qu'un seul pli. Donc, prenons 2,5, la moitié. Parce que comme j'ai qu'un seul pli, normalement, j'ai besoin d'un petit peu moins d'aisance. Hein. Alors, j'ai tracé tout droit parce que la taille du dos de ce modèle-là est quasiment toute droite. Elle n'est presque pas incurvée. Donc, évidemment, vous jouez du pistolet. Honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose le petit jeu qu'il y a là, puisque de toute façon, tout ça, ça bouge. La ceinture, elle n'est pas piquée dessus. Quoi. Donc, vous pouvez vous permettre d'aller tout droit. Et le seul truc qui va apparaître, c'est la jonction des deux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir par transparence? Je vais vous recopier sur la partie gauche. Donc là, on a la ceinture du dos. Attends, je vais descendre un peu pour être bien dans le champ. On a... Hop là, pardon. Tu as besoin d'aide? Non, c'est pas ça, j'ai créé un pli en dessous. Ah bah si tu nous rajoutes des plis. Je rajoute des plis, mais pas les bons. Alors, c'est bon, j'y suis. Donc, on a la ceinture du devant qui s'arrêtait là. La ceinture du dos, moi, je la vois par transparence, donc je vais vous la recopier. Alors, à main levée, mais alors normalement, ça ne se fait pas à main levée, hein, mais la ceinture du dos, elle est là. D'accord? Et du coup, vous voyez qu'en fait, il apparaît un petit angle ici, là, qu'on ne va pas laisser. Et donc, je vais aller le faire proprement. Donc, évidemment, on irait recopier toute la ceinture. Allez, allons-y, je vous recopie toute la ceinture, ça sera plus simple à expliquer. Bon, sur ta lancée. Allez. Donc, ma ceinture de dos, elle est là. Et après, hop, je décale pour aller attraper le deuxième petit morceau. Alors, je suis sûrement plus en caméra, mais c'est pas grave. Je recopie la partie gauche que je vous ai mis tout à l'heure à gauche du pli. Voilà, hop, je reviens. Et donc, on va virer ce qu'il y a en dessous. Là, je n'ai fait que copier la ceinture du dos. Ah là là, Marie-Gabrielle, je t'aime de m'avoir fait une jupe de 80 cm de long. Est-ce que vous voyez bien la ceinture? On est là. Oui. Alors, attends, peut-être qu'on va changer pour être dans le champ comme ça, là. Je vais te demander de prendre le patron sur tes genoux. J'accueille avec plaisir ce patron. Voilà. Hop, nous voyons toute la ceinture, ouais. Alors, on va bien laisser les plis bien à plat, là, comme ça. Ouais. Donc, on voit toute la ceinture. Et on voit cet angle qui est apparu ici et là, à la jonction entre le dos et le devant. Donc la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va rectifier cette ceinture pour qu'elle soit un peu plus harmonieuse sur le côté. Et pareil que tout à l'heure, on casse l'angle ici et là. Vous voyez, je me mets le long là, je me mets le long ici, un peu plus loin, et hop. Je garde la même hauteur, mais finalement, je descends cette partie-là pour que ce soit plus harmonieux sur le côté. Et vous avez votre ceinture. Dessus, dessous, il faut aller au moins une des deux épaisseurs pour que ça se tienne bien. Le bouton lui-même, il se place à peu près, je ne sais plus où est... Ah, le dessin, voilà. Le bouton lui-même, donc on est dans ce sens-là. Alors évidemment, vous êtes à l'envers, mais ce n'est pas très grave, je n'ai pas tout retourné. Il se place, vous voyez, pas très loin du bord du premier pli. Donc il est à peu près par là.
Bon, vous le placez bien au centre. Hein. Ça dépend de la taille du bouton. Prenez un beau bouton bien grand, parce que quand même, on a fait une ceinture de 5. Oui, ça aurait l'air perdu. Voilà, il faut quand même un bouton de facilement 2,5 hein, pour que ça soit chouette. Et donc, la ceinture, elle s'arrête milieu dos. Hein, attention, parce que vous avez le zip qui passe. Donc, elle passe pas par-dessus le zip. Donc, il y a vraiment deux demi-ceintures, finalement. Mm. Hein. Ça, c'est important, parce que sinon... Oui, on nous posait la question, d'ailleurs. Alors, que je la retrouve. La ceinture est-elle intégrée dans la jupe ? Non, moi, je ne la ferai pas intégrée dans la jupe. Non, elle est par-dessus. Elle est fixée, là, le long du milieu dos. Elle est fixée par les boutons, ici. Et le reste, elle reste libre. Voilà. Encore une fois, par contre, la jupe elle-même, les plis sont piqués sous la ceinture, les plis sont piqués pour vraiment tenir. Quoi. Je pense que ça suffirait. Peut-être qu'il faudrait rajouter un petit point juste sur les côtés pour qu'elle ne se promène pas trop verticalement. Ça dépend pareil du glissé du tissu. Quoi. Alors, dans les questions sur la ceinture, pourquoi la ceinture est-elle incurvée devant et droite dans le dos ? Alors, elle n'est pas vraiment incurvée devant, ça doit être un effet visuel de la caméra. Ah oui, non, parce que ma taille, pardon, non, si elle est vraiment incurvée devant, c'est parce que la taille de ma jupe de base est incurvée. Mmh. Et ça dépend de votre jupe de base. Oui. Si votre jupe de base est incurvée, la ceinture l'est. Et de votre cambrure. Et du coup, de votre cambrure, etc. Si vous avez une jupe de base avec une ligne droite, votre ceinture sera droite, quoi. Donc, on ne fait que translater la forme de votre ligne de taille un peu plus haut, hein, par cet effet de taille haute. Hein, donc, Alors, on a un help. Help, au secours. On est là. Dites-nous tout. Ma ligne de taille, lorsqu'elle est remontée à 10 cm, est très courbée. Est-ce normal ? Est très courbée, non. Elle doit être exactement courbée, pareil que votre ligne de taille d'origine. Oui. Vous la déplacez de 10 cm vers le haut, mais vraiment, les points remontent de 10. Donc, elle doit être aussi... Elle ne peut pas être ni plus ni moins courbée que la ligne de taille d'origine. Elle est parallèlement courbée. Exactement. Même courbure. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas pris 10 partout. Ce qui peut être une erreur, c'est facile à corriger. Quoi. Question importante à laquelle vous allez avoir une réponse systématique. Tous ces patrons sont-ils sans marge de couture ? Absolument. Pas de patronage, marge de couture en patronage. On commence toujours par faire des patrons sans marge de couture. Et c'est seulement quand le modèle est fini, c'est-à-dire dans pas très longtemps, qu'on rajoute les marges si on le souhaite ou qu'on les rajoute sur le tissu si on le souhaite aussi. Donc jamais de marge de couture. C'est pour ça qu'un patron de base n'a jamais de marge de couture. Et que quand vous travaillez sur un patron, c'est utile de les retirer. Exactement. Pour savoir où est la ligne de couture et de quoi on parle. Alors, mais sur le devant, Christine n'a pas tracé une courbe au pistolet à la ligne de taille. Elle l'a fait sur le dos. Donc, oui, la ceinture est encore plus loin que les 5 mm. Oui, j'aurais pu vous tracer l'arrondi. Qu'as-tu fait ? Voilà. Là, je l'ai tracé là avec le pistolet. Regardez, là, vous l'avez là. Là, j'ai arrondi et après, j'ai recreusé. Donc, si, là, vous l'avez. Là, j'avais un arrondi et je voulais retracer là. Incontestable. J'ai cru que je m'étais trompée, mais non. Alors, dans le dos, comme j'ai une ligne de taille très droite dans le dos sur ce patron-là, je ne sais même pas si ce n'est pas le mien, je l'ai tracé à la ligne droite parce qu'il n'y avait que 2-3 mm d'écart entre les deux. Hein. Dans le dos, je vous remonte. Quand je l'ai tracé à la ligne droite... Souvenez, là, je l'ai tracé à la ligne droite, il y avait 2-3 mm d'écart. Donc là, je pouvais me permettre de supprimer l'arrondi. Parce que bon, comme c'est une ceinture, encore une fois, qui va bouger sur le modèle, on n'est pas à 2-3 mm près sur son placement. Mm-hmm. D'accord ? C'est le placement de la ceinture sur le modèle qui joue. Alors... Je ne vous dirais pas la même chose si la ceinture était piquée ou si elle faisait partie intégrante d'un montage où on assemblait la ceinture au-dessus de la taille, sous forme d'étage. Ne pourrions-nous pas mettre un passant sur le côté ? Si, on pourrait. Pourquoi ? Bien sûr. C'est un choix stylistique. Vous aviez fait votre jupe de base avec aisance. Avec les aisances classiques de la méthode DP Studio, donc 2 cm à la taille et 4 cm aux hanches. Pour une jupe de base, parce que sinon, de toute façon, à la taille, si vous ne mettez pas 2 cm, vous ne respirez pas dans le modèle, ou alors en fin de journée, en fonction des variations climatiques, vous ne respirez plus dans le modèle. Et les hanches, il faut quand même pouvoir marcher. Donc 4 cm, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir un tout petit peu bouger dans une jupe droite. Une jupe de base, c'est une jupe droite. Hein, donc voilà.
Donc oui, il y a les aisances minimales. On a un message d'un certain Alban qui dit « Elle est quand même très forte, Christine !» Coucou Alban étant notre réalisateur en chef, chef de Marie, attention Marie, fais gaffe. Et à Alban, je réponds qu'effectivement, nous n'aurons pas l'air de cucurbitacé dans cette jupe. Ben, puisque, ouais. Il m'a dit, n'ayez pas l'air de courge. D'accord. Eh ben non, on sera très bien habillés. Comment va sa tati qui... C'est ça, comment va la tante d'Alban? On aimerait bien le savoir. Le haut de la jupe sera doublé dans la partie pli? Alors, doublé, pas doublé, il sera avec un empiècement intérieur, donc un enforme, une parementure si vous voulez. Donc, en fait, c'est la dernière pièce dont je voulais vous parler. C'est que de manière à ce que, déjà, la finition du haut de la taille nécessite de toute façon d'avoir une pièce intérieure. Sinon, à un moment, vous n'allez pas vous arrêter sur un bord brut là. Et une pièce intérieure suffisamment haute pour que quand les plis vont bouger autour de vous, bah, on voit pas le bord brut du tissu. Donc, il faut que ça aille au-delà de la partie où les plis sont ouverts. Donc, au-delà des 5 cm de haut. Donc, moi, je vous conseille de prévoir une parementure qui va faire les 10 ici. Comme ça, en plus, ça va vraiment bien vous tenir. Vous allez tout piquer ensemble, là, au niveau des plis. Et ça va vous faire... Donc, du coup, en termes de parementure, vous allez copier toute la partie des 10 cm que je vous ai fait rajouter là. Et vous allez assembler au niveau de la taille et tout piquer ensemble, quoi. Je vous montrerai le pantalon, puisque j'ai fait comme ça pour le pantalon de ma fille. Alors, comment tient la ceinture ? La ceinture, on ira sans doute l'assembler par une petite... je vous propose, hein, après il y a plusieurs manières de faire. On va créer la ceinture elle-même et on ira l'assembler par une petite surpiqûre milieu dos, là, le long du zip. Je vous déconseille de la prendre dans le zip invisible, ça va commencer à faire beaucoup d'épaisseur. Donc on ira l'assembler là. Et puis elle tient par le bouton devant. Et encore une fois, petite couture côté si on a besoin, ou un petit passant comme proposait une de nos élèves là, à l'instant. Et enfin, je vais répondre à la question d'Armel, qui me fait parfois des blagues en plein truc et ça me perturbe dans mes lectures. Donc, 52 x 36, je dirais que ça fait 1872. Mais peut-être que je me trompe. Elle vient de calculer pendant 2 minutes, il y a eu un blanc. Non, je blague. Est-ce que tout est clair? Donc, parementure, de là à là, et ici, évidemment, pli ouvert, hein. Donc cette pièce-là, qui fait tout ça, le côté rouge, toute la partie haute, ici, là. D'accord. D'accord. Et alors, donc si on prend juste... Attends, on va pousser ça, et puis on va attraper le pantalon pour que je montre un petit peu... Je mets ça par terre, ça va... Oui, et je te donne le pantalon. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, donc c'est pas une jupe, c'est un pantalon, mais le principe de montage était le même. Hein. Donc, c'était un pantalon voilà, qui avait destiné avec une ceinture nouée. Vous voyez, l'effet au-dessus de la taille était le même. Hein. Mm-hmm. Bon, alors, effectivement, la réponse est oui, on peut mettre des passants, la preuve. Hein, voilà. Et donc, quand on regarde l'intérieur ici, en fait, on a donc effectivement une parementure que j'ai fait dans une cotonnade plus légère, oui, pour pas épaissir, que j'ai fait même un petit peu plus basse parce qu'il y avait un effet un peu galbant à l'avoir un peu plus longue. Et en fait, j'ai tout monté comme s'il n'y avait pas de plis ni de pinces à piquer. C'est-à-dire tout, oui, était ouvert. Et j'ai vraiment piqué les deux épaisseurs ensemble. Pourquoi? Parce que grâce à ça, du coup, au niveau de la taille, la finition est complètement jolie, alors que sinon, on avait un problème de, ouais, croisement de pinces, etc. Donc, tout est piqué ensemble. C'est pour ça que la parementure, c'est important de prendre un tissu pas trop épais pour le faire, de sorte à ce que ça se prenne bien dedans. Une popeline, mais voilà, de coton. Ouais, une petite, voilà, une petite popeline. Vous pouvez, sachant que vous pouvez, évidemment, si votre tissu, encore une fois, ne tient pas très bien, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, vous pouvez l'entoiler en plus, si vous le souhaitez, mais ça va forcément vous faire des petites épaisseurs. Vous pouvez aussi n'entoiler que la partie des plis là-haut pour vraiment rigidifier que les plis. Voilà, c'est à voir en fonction du tissu, quoi. Donc le montage n'est pas si compliqué que ça, il faut juste réfléchir à la manière de le réaliser pour obtenir le rendu qu'on souhaite, quoi. D'accord? Voilà, et donc du coup, quand le vêtement est fermé et qu'on a les plis bougent bien comme on veut, là, et on a quand même ce rendu où on voit pas le tissu intérieur et on a une jolie finition de taille, quoi. On nous dit, pouvez-vous juste signaler rapidement en couleur là où vous piquez sur les 10 cm?
Ah oui, bien sûr. Alors, où est-ce qu'ils sont passés nos... Je vais ressortir, je les ai sur la... Sur, et sur on le sol, dit en parallèle, là... petite masterclass montage de jupe. C'est vrai que je l'ai vu passer un certain nombre de fois, donc elle nous pend au nez. Elle nous pend au nez. Alors, donc si on devait tracer les endroits où on pique, c'est très simple. Est-ce que j'aurais encore une dernière couleur pour tracer ça? Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur? Pas vraiment. J'ai été au bout de toutes mes couleurs là. Je vais vous le faire en vert, même si je sais que vous voyez moins, mais bon, comme il n'y a pas trop de noir. En fait, on irait piquer ici le pli, toute cette partie-là, avec ça. Donc, c'est ces deux bords-là, de là à là. Et ça serait piqué ici. En fait, toute la zone qui est sous la ceinture. Donc, ça avec ça. Et ça avec ça. Sur cette hauteur-là. Seulement de là à là. D'accord. D'accord. Comme dans le pantalon, là, on a piqué que cette zone-là et la zone du haut, ici, n'est pas piquée. D'accord. D'accord. Et la zone du bas, dans le devant, elle n'est pas piquée puisqu'on veut les plis. Et dans le dos, par contre, on fait la pince. C'est-à-dire que dans le dos, on va aller piquer cette zone-là. Mais plus ça. Donc on va aller piquer tout ça. Et tout ça. Et on s'arrête là. Et le reste, c'est le petit pli ouvert qu'on voit au-dessus de la taille. D'accord? Alors, ce qui veut dire par rapport au dessin de Marie-Gabrielle, la petite différence, mais qui est liée à la faisabilité technique, hein, c'est que là, en fait, on aurait une petite pince là, qui apparaîtrait là. D'accord, qui a été dessiné vaguement, mais qu'on ne voyait pas forcément distinctement. Et vous avez forcément une pince. Vous pouvez soit insérer le zip hein, dans le milieu du dos sans pli, soit carrément faire la couture jusqu'en bas, si c'est plus simple pour vous de mettre un zip sur un côté ouvert plutôt que de l'insérer avec une fente. Quoi. Ça peut être plus facile à faire. Si on devait faire la masterclass montage, je pense que je vous proposerais d'avoir la couture milieu dos pour que le zip soit plus facile à monter. Sinon, là, on va rentrer dans des techniques un tout petit peu plus avancées. Alors, on a eu des questions justement sur... on nous demande si un crêpe genre atelier brunette... avec un crêpe genre atelier brunette, on a intérêt à entoiler le haut. Oui. Oui. Si c'est celui que j'ai en tête, Oui. La parmenture peut-elle être faite avec le même tissu s'il n'est pas trop épais? Oui. Et justement, moi, si vous devez entoiler le haut, moi, je vous conseillerais déjà d'essayer de voir si vous ne pouvez pas entoiler plutôt la parmenture que le tissu lui-même pour ne pas dénaturer complètement le tissu. Parce qu'en fait, la parmenture peut vous tenir l'ensemble par l'intérieur, en fait. C'est souvent comme ça. Du reste, qu'on donne un peu de structure aux vêtements. Si possible, on essaye de ne pas trop dénaturer le tissu extérieur. Si ça suffit. Parce que des fois, il faut quand même entoiler les deux. On avait une question plus générale sur Valentina, en nous demandant si ça permettait simplement de tracer des patrons de base déjà existants ou de tracer entièrement des patrons. Les deux, mais je ne qualifierais pas forcément ça de simplement. Oui. Alors déjà, de toute façon, on va vraiment se dire déjà une chose, c'est que si vous ne maîtrisez pas déjà le patronage sur papier, ça ne sert à rien. N'allez pas vous lancer dans l'informatique, parce que de toute façon, le logiciel ne va faire que ce que vous savez faire en papier. Donc, si vous n'avez pas compris le principe du tracé papier, le logiciel ne va pas vous inventer pour vous le patron. Il va juste vous dire... En fait, le logiciel, vous lui dites juste de A à B, je veux tant de centimètres, là, je veux un équerrage, de B à C, je veux tant de centimètres, ou je veux telle mesure du corps. Et donc, le logiciel le trace pour vous à partir des instructions que vous lui donnez. Mais il ne va pas vous inventer le patron comme ça, d'un claquement de doigts. Et là, on est complètement d'accord avec Dominique, le patronage informatisé, c'est magique, mais si vous ne maîtrisez déjà pas le patronage papier, comme dans n'importe quelle étude de modélisme, ne vous lancez pas là-dedans, quoi. Vraiment. C'est donc simple, oui, si vous maîtrisez le modélisme, je ne qualifierais pas forcément ça de simple si vous n'avez jamais tracé un patron de votre vie ou si c'était ce soir, c'était la première transformation de votre vie. Voilà, on va quand même se dire les choses calmement, mais fermement, pour que vous n'ayez pas trop de déconvenues. Christine, proposes-tu des stages de moulage sur mannequin en présentiel ?
Oui, alors je ne suis pas spécialiste du moulage, moi je suis plus spécialiste de la coupe à plat. J'utilise le moulage principalement dans des configurations qui le nécessitent, par exemple pour mettre en place un col ou voilà, une encolure un peu particulière. C'est-à-dire souvent, voilà, on commence un tracé à papier à plat parce que je trouve que c'est plus facile de l'aborder pour vous. Et après, ça nous arrive très souvent, le papier, d'aller habiller le mannequin avec pour se rendre compte et revoir les choses, voire le faire en toile. Je suis moins... je trouve que le moulage sur mannequin, déjà, il faut avoir un mannequin ses mesures, et mm-hmm. tout le monde n'a pas ça, un mannequin couture, c'est-à-dire pas un les mannequins stockman. Réglables, voilà, donc avoir un stockman, c'est déjà 400 et 500 euros, le mettre à ses mesures, c'est pas donné à tout le monde, donc je préfère cette approche où la coupe à plat est quand même plus, puis elle est plus facile d'approche aussi, mais le moulage ouvre des possibilités géniales, hein, on est bien d'accord, je sais qu'il y a des choses en préparation chez Artisan sur le sujet, ouais, c'est chouette. Je crois que c'est la semaine prochaine, les premiers tournages. Ouais. Mais voilà, donc j'utilise moi le moulage plus comme un outil parmi tant d'autres pour arriver à vous montrer le résultat. C'est vrai que je trouve que vous avez plus de facilité à vous lancer d'abord dans bien maîtriser la coupe à plat, comme on appelle ça, et le tracé à plat, et quand même voir régulièrement en 3D ce que ça signifie avec des toiles, avec l'épingle sur mannequin. Et alors, question majeure, d'où vient ton distributeur de scotch ? Parce qu'il a plu. Ça va être grand point d'interrogation, messieurs, dames. Je suis vraiment désolée, mais autant j'adore donner mes sources parce que, voilà, pour moi, il n'y a pas de mystère. Alors, celui-là, je l'ai depuis des années, donc je ne saurais pas vous dire. Mais c'est vrai qu'il y en a plein délestés. C'est ça le secret, qu'ils soient lestés. Aller dans les magasins de fournitures, de bureaux, office dépôt, etc. Ils n'ont pas forcément cette forme-là. Des fois, ils sont longs comme ça. Mais honnêtement, oui, je sais qu'on en trouve. C'est un truc de secrétariat. Hein, donc voilà, je pense que si vous sortez juste du supermarché du coin, vous devriez pouvoir trouver. Peut-être pas aussi beau que le mien et pas pivotant. Oui, je vois qu'il y a le côté pivotant. Écoutez, si je suis genre l'aperçois, je vous mettrai le truc en commentaire de la masterclass. Alors, combien mesure l'ourlet ? L'ourlet, c'est ce qu'on veut, ça va dépendre de la technique d'ourlet qu'on veut appliquer. En général, un ourlet, 5 cm. Et une marge à rajouter, hein, on est bien d'accord, puisque là, le patron qu'on a tracé est sans marge de couture pour le moment. Donc là, il faudrait rajouter 5 cm. Quand on a une sérieuse scoliose, peut-on adapter un patron à sa morphologie ? Oui, tout à fait, absolument. Ouais. Ça nécessitera sans doute un travail d'essayage un petit peu spécifique. Alors, si scoliose déhanchée, comme on appelle ça, c'est-à-dire avec une hauteur taille-hanche, ou en tout cas une hauteur hanche au sol extrêmement différente d'un côté à l'autre, ce que j'ai déjà traité pour quelques élèves, on peut être amené à faire un patron complet, c'est-à-dire un patron droite et un patron gauche. Vous n'êtes pas parfaitement parce qu'en fait, on part du principe en patronage que vous êtes globalement symétrique droite-gauche, et dans votre cas de figure, c'est peut-être pas le cas. Et ce n'est pas un problème. Et il vaut mieux, au contraire, avoir un patron droite, un patron gauche pour, justement, ça va vous permettre de complètement masquer cette différence plutôt qu'essayer de jouer une symétrie que vous n'avez pas d'un point de vue corporel. Ça peut être le cas aussi, je le cite, aussi pour le buste. Hein, vous pouvez avoir besoin de ça. Bon, j'ai une élève, par exemple, qui a dû, pour des raisons médicales, subir une opération de la poitrine d'un côté et pas de l'autre. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et on a fait un patron droite et un patron gauche avec des pinces de poitrine différentes. Et du coup, grâce à ça, elle a un buste, elle se fait des robes où plus personne ne voit qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Le c'est patronage, magique. Ça sert aussi c'est à magique. Ça. Voilà. Alors, je crois qu'on a traité toutes les questions. On nous demande de rappeler le code. C'est soirée modélisme tout en majuscule. Et il est valable jusqu'à dimanche sur tous les cours de modélisme. Armel, est-ce que tu vois d'autres questions que j'aurais oublié de traiter ? Armel nous hurle qu'on est bon. Super. On a été pas mal, on termine presque tôt. C'est vrai, quelle heure est-il ? 23h16, donc bon, tu penses bien que je plaisante. Merci. Mais ça va, il est encore temps d'aller se coucher, mais d'aller c'est bosser ça. Demain matin. On a envie de voir vos jupes, alors est-ce que vous nous attendez pour les réaliser ? Non, je suis sûre qu'il y en a certaines qui peuvent se lancer, franchement. Surtout si vous avez déjà fait des modèles un peu de ce type-là, parce qu'il y en a eu pas mal qui sont sortis dans le commerce récemment, donc je suis sûre que certaines d'entre vous ont déjà réalisé des modèles. Oui, regardez-nous, beaucoup d'entre vous ont téléchargé le short paper bag, alors c'est un short Tivoli qu'on avait offert à une période de cet été,
Mais c'est le même montage, hein, ceci près que c'est un short. Oui, mais le principe est le même. Le principe est le même, vous pouvez n'hésitez pas à vous lancer, et puis voilà. Voilà. Et donc, effectivement, si le programme des masterclass nous permet... On va s'en parler, mais effectivement, on n'est pas déconfiné de sitôt. Oui, et puis voilà, on ne vous proposera peut-être pas tout le montage de la jupe en direct, parce que sinon, là, ça va vraiment faire 3 heures du matin. Mais on préparera des petites pièces d'études sur les petits points techniques un peu particuliers pour vous montrer ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. C'était Christine, chouette. Je sais que tu es en retard sur la première masterclass du DefiSuite, mais que tu as reçu ton jersey. Non, demain. Julie, demain. Demain, un jersey de quelle couleur ? Dalila m'a envoyé un message pour me dire qu'il était parti aujourd'hui, donc j'ai hâte. Donc, donc surtout, achetez bien votre tissu suite. Moi, le mien, il est turquoise, tu sais bien pourquoi. Oui. Et puis, non, je n'ai pas encore eu le temps de regarder la masterclass, mais je vais rattraper ça. Je crois que c'est ça. Ta fille qui va et plutôt je crois te qu'en s'occuper fait, je vais des ennoblissements. Exactement. Et pour la suivante, bah, ça sera justement des adaptations stylistiques, donc un peu de modélisme avec Charlotte, et c'est mardi. C'est donc, on se retrouve mardi, et nous, je pense qu'on se retrouve très vite dans tous les cas. Oui, de toute façon. Je vais faire une petite pause parce que là, on a fait 2 masterclass d'affilée. Mais oui. C'est chouette. Maintenant, je vais être derrière l'écran à vous regarder. Oui, puis on a un peu de boulot. On vous retrouve le 19 pour parler formation professionnelle. Alors, pas en masterclass, mais sur les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, bah, merci d'avoir été là. Très nombreuses et nombreux, mais je crois que vous étiez plutôt féminines ce soir. Oui, peut-être pour la jupe, ça peut peut-être se comprendre. Ça se justifie. Voilà. On est très contents quand même. Je dis quand même parce qu'évidemment, on aimerait tous être déconfinés, mais on est contents de passer ces moments avec vous. Merci Christine. Merci. Bonne nuit, merci Marie. Bonne nuit à tous et à toutes. On l'entend même plus, Marie. On l'a perdu.